Bonsoir à tous les astrophiles qui suivent mes petites interprétations. Donc, comme d'habitude, on va faire une étude du signe où a lieu la pleine lune. Bon, la pleine lune, cette fois-ci, aura lieu le 27 décembre. Donc là, je fais ça le jour de Noël. Là. Enfin, c'est le début de Noël. Je n'ai pas encore rencontré le Père Noël, mais on va le rencontrer pendant ce travail d'Hercule, vous allez voir. En tout cas, voilà, je vais vous apporter dans votre petite chaussure au pied du sapin le cadeau qu'est le signe du Capricorne, qui sera donc en pleine lune exacte, le 27 en pleine nuit, vers 1h34 exactement. Voilà. Pour ceux qui veulent le mieux, comme c'est vers 1h, le nadir, c'est bien de méditer un peu avant 1h et puis d'aller jusqu'à 1h34 pour avoir la pleine lune à ce moment-là. Vous aurez à la fois le soleil et la lune, le soleil au fond du ciel, sous vos pieds, vers le centre de la Terre, et la lune juste exactement au zénith, dans sa position en cancer, presque, si vous la voyez apparaître dans le ciel, presque très très haut dans le ciel, puisqu'elle est en cancer. Elle sera sur un point où le soleil est d'habitude quand il est au solstice d'été, à peu près à cet endroit-là. Donc un moment à ne pas rater, même si vous pouvez également méditer beaucoup la veille et méditer beaucoup le lendemain, puisque c'est dans les pleines lunes, ce qui est important, c'est de méditer pendant 3 jours environ, beaucoup plus que la conscience mentale, c'est-à-dire la lune, est éclairée de plein fouet par la conscience solaire, c'est-à-dire la conscience du soi intérieur, de l'âme. Et évidemment, c'est un moment idéal pour que le mental cesse de radoter ses propres conditionnements, ses propres répétitions, ses propres erreurs et ses propres errances, et qu'il peut complètement, dans ce moment-là, se rendre apte à percevoir, en fait, profondément qui il est en réalité, c'est-à-dire cette conscience unifiée du « je suis », et dans cette conscience unifiée du « je suis », qu'on ne peut pas forcément maintenir très longtemps, mais on peut la maintenir en méditation plus que qu'en s'agitant dans la vie courante, et en restant centré sur ce type de conscience, on peut vraiment faire un travail de nettoyage intérieur, on va dire. C'est un peu ce qu'on va voir ici. Je vais juste parler un petit peu rapidement du sapin Noël, qui représente vraiment le Capricorne. On sait que Noël, c'est tout simplement 3 jours après le solstice d'hiver, c'est-à-dire le 23 décembre, le 22 décembre, c'était le 22. Et donc, le sapin, c'est un arbre qui a un tronc extrêmement droit. Donc, c'est symbole de la colonne vertébrale en méditation. Les branchures vertes indiquent qu'il y a, même si la vie meurt partout, là, on est au maximum de la nuit, au maximum de la mort, tout meurt, il n'y a plus une seule branche, une seule bourgeon, une seule feuille, les oiseaux ont faim, il faut leur donner des petites boules de graisse et de graines si vous êtes à la campagne. Il faut les aider à passer l'hiver pour qu'ils ne meurent pas. Mais bon, la mort a une grande puissance à ce moment-là. Et le sapin, représentant avec ses branches toujours vertes, représente l'idée que quelque chose reste immortel, même au pire de l'épreuve, au pire de la difficulté, au pire de la désespérance. Quelque chose reste toujours vivant au fond de nous, éternellement vivant. Et ça, c'est notre vraie nature. C'est pour ça que souvent les gens trouvent leur vraie nature plutôt à travers des dépressions, des souffrances, qu'en la connectant directement par le bonheur ou la joie. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. C'est comme si on ne savait pas aller notre vraie nature quand tout va bien. Quand tout va bien, on se dit « Ah, c'est un peu grâce à moi, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai bien travaillé, ou j'ai bien parlé, ou j'ai la bonne meuf ou le bon mec, ou j'ai acheté la bonne bagnole. » On s'auto-congratule de choses qui n'ont aucune importance, qui font partie du monde extérieur. Alors que quand on a des épreuves, qu'on perd soit la bagnole, soit quelqu'un de proche, soit on se sépare, soit on devient très malade, quand on a une épreuve, on dit « Oh là là, mais comment que ça se fait que ça tombe sur moi ?» Alors j'ai tout fait bien. C'est-à-dire on a toujours ce truc un peu scolaire de dire « Ah, je suis puni si ça va mal et je suis récompensé si ça va bien. » Or, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc il faut retrouver cette droiture du sapin, quoi. Et rechercher au milieu de l'épreuve, mais qu'est-ce qui ne meurt pas, quoi? Qu'est-ce qui est fondamental, qui en nous fait que on n'est pas totalement dépendant des malheurs ou des souffrances qui nous viennent par l'extérieur ou par le corps, par exemple, ou par l'émotion. Et ça, c'est la vraie clé. Alors évidemment, si vous faites cette recherche en méditation, vous allez trouver plus rapidement la réponse à cette question, qui sera pas une réponse mentale d'ailleurs. Et à ce moment-là, les boules de lumière vont apparaître à l'intérieur de votre colonne vertébrale, près du tronc. Ces petites boules qu'on accroche dans le sapin, ce sont les chakras, tout simplement. Et entre ces chakras, des flux d'énergie vont se faire, qui vont transporter des informations extrêmement subtiles, extrêmement de lumière.
Et c'est les guirlandes, les fameuses guirlandes qu'on met dans le sapin aussi. Donc vous voyez que on ne sait même pas pourquoi on fait ça. Évidemment, heureusement, on met le petit Jésus au pied du sapin pour éviter que de comprendre ce que ça veut dire. Mais l'union du petit Jésus, donc la tradition chrétienne mélangée avec la tradition du sapin, qui est une tradition, on pourrait dire, chamanique ou yogique presque, puisque ça parle des chakras et des nadis, qui sont les canaux d'énergie subtile, montre bien que le Christ en nous, ben, il passe par la découverte de ces énergies, qui ne s'allument pas forcément en se centrant sur eux, mais qui s'allument en devenant clair par rapport à la conscience. Plus la conscience devient claire, plus les chakras s'ouvrent. Il n'y a pas besoin de « je me sens son chakra, racine ». On peut le faire, ces exercices qui existent dans le yoga, et je les recommande, et quelquefois je les fais aussi, bien sûr. Mais la vraie clé, ça va être de s'élever en conscience par soi-même, c'est-à-dire de se rendre compte que on change, on abandonne son égocentrisme, on abandonne ses visions fausses, on renonce à vouloir avoir raison, on renonce à la peur, on renonce à tout ça. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'on peut se poser en soi-même comme si on était un inconnu à soi-même. Et dans cette innocence, là, on devient le fameux petit Jésus dans la crèche qui est dans la crèche, c'est-à-dire c'est la naissance de l'âme, en fait. Voilà. Alors, je vais vous lire le mythe de le dixième travail, puisque c'est le dixième signe, c'est le premier signe d'hiver, et c'est le signe où la nuit est arrivée au maximum, c'est ce que j'ai dit, la nuit, la mort, des fois la désespérance, et où la lumière va renaître, puisque les jours vont commencer à rallonger à partir de maintenant, jusqu'au 21 juin, ils vont faire que rallonger sans arrêt. Mais ça se voit pas, puisqu'on est au cœur de la nuit, donc ça ressemble à l'espoir, si vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas encore la lumière, mais en fait, elle est réellement, à partir de maintenant, en train de monter. C'est ça le principe de Noël. Nouvelle lumière, ça veut dire Noël. La lumière de... Je vous lis le mythe, donc. La lumière de la vie doit maintenant rayonner dans un monde de ténèbres. C'est l'instructeur qui parle. Hercule doit donc repartir. Il est fils de l'homme, il est aussi fils de Dieu. Il va franchir donc la dixième porte. Et l'instructeur lui dit, tu as bravé 1000 dangers, au Hercule, et beaucoup de choses ont été accomplies. Il y a déjà 9 signes qui ont été réussis, 9 épreuves qui ont été réussi. Tu possèdes la sagesse et la force, grâce au Sagittaire, donc en arrière. Veux-tu les employer à secourir un être en proie à une incessante souffrance? Là, c'est très important. On lui demande d'abandonner la force qu'il a, le mérite, la méritocratie qu'il a accumulée pour lui. On lui demande d'abandonner ça pour aider les gens qui souffrent, ou un être. L'instructeur toucha légèrement le front d'Hercule, donc qu'on appelle le troisième œil, c'est-à-dire c'est un acte que font quelquefois les maîtres par rapport à un disciple, et aussitôt devant l'œil intérieur de celui-ci, une vision surgit. Un homme gisait couché sur un rocher, il gémissait comme si son cœur allait se briser. Ses mains et ses jambes étaient enchaînées, et les chaînes qui le ligotaient étaient attachées à des anneaux de fer. Un vautour effronté et cruel rongeait le foie de la victime prostrée. Un filet de sang s'écoulait de son côté. Donc c'est une torture horrible. L'homme soulevait ses mains enchaînées, en essayant de se libérer de cette souffrance horrible, cette torture. Il implorait de l'aide, mais ses paroles ne se répercutaient vainement dans la solitude et étaient emportées par le vent. La vision s'évanouit. Hercule se tenait toujours à côté de son guide. Voilà, on a l'exemple même de toute souffrance vécue dans la solitude, et ça c'est pour toute maladie, pour tout handicap, pour la pauvreté, pour la guerre. À chaque fois, les gens se retrouvent très très seuls parce que l'être humain, la souffrance lui fait peur, et il a tendance, à part des êtres d'exception qui sont les ONG ou qui sont des médecins ou des sauveteurs ou des gens qui essayent simplement d'être fraternels, c'est déjà très important, ils sont pas si nombreux que ça, et souvent on croit que la douleur est contagieuse, et au contraire, en n'allant pas essayer de sauver, aider ceux qui souffrent, eh bien on augmente sa propre capacité de souffrance, c'est-à-dire qu'on se promet à soi-même une souffrance supplémentaire parce qu'on a raté l'occasion de libérer cette souffrance karmique en soi en essayant de la résoudre chez l'autre. On n'y arrive pas toujours, mais au moins essayer. L'être enchaîné que tu as vu est Prométhée, dit l'instructeur. Il y a très longtemps qu'il souffre ainsi, et cependant il ne peut mourir étant immortel. Eh oui, Prométhée est immortel. Il déroba le feu du ciel, c'est pourquoi il est puni. Donc là, il y aurait beaucoup à dire, parce que c'est le principe du karma, c'est pas forcément un principe de punition, c'est un principe de rebond, on pourrait dire, du monde réel, par rapport au monde intérieur. C'est-à-dire que le monde intérieur produit des causes, et le monde réel fait prendre forme à des effets. Et ces effets semblent apparaître dans le monde réel, alors qu'en fait ils viennent du monde intérieur, en grande partie de ces causes intérieures. Donc dérober le feu du ciel, c'est avoir voulu
comprendre les choses sans le cœur, en fait, d'avoir voulu comprendre scientifiquement, j'ai envie de dire, de vouloir assécher complètement la vie pour la passer à la moulinette d'un mental analytique, précis, matérialiste. Et donc, bah, c'est une grande punition. Son foie est bouffé, il est empoisonné, parce que le foie, c'est celui qui gère les poisons, je rappelle. Et il est empoisonné peut-être par sa propre nourriture, par ses propres vaccins, par ses propres relations à ses proches, à ses collègues de boulot. Enfin voilà, le foie qui est celui, qui est l'organe aussi de la position sociale, et il est bouffé de l'intérieur. C'est une crise que traversent beaucoup de gens actuellement, qui ne savent plus comment trouver leur place dans une société où on leur demande de gagner de l'argent en faisant un travail qui est de plus en plus éreintant, avec de moins en moins de sens. Donc le foie s'ouvre énormément. Et du coup, presque par réaction un peu bête, on a tendance à aller chercher des sucreries, à se gaver ou à se remplir pour éviter ce vide au niveau du foie. Et plus on fait ça, plus on abîme le foie. Donc c'est un cercle vicieux qui peut amener à l'obésité, à des maladies comme les allergies, tout ça, qui sont des maladies qui viennent du foie aussi, et à tous les invasions de microbes ou de virus qui viennent d'un affaissement du système immunitaire, dû souvent à une faiblesse du foie et des gros intestins aussi. Le foie étant relié au Sagittaire et les gros intestins à la Vierge, donc les signes mutables dont on sort, puisque le Capricorne vient après le Sagittaire. Il t'est demandé au Hercule d'être un sauveur. Descends dans les profondeurs et là, sur les plans extérieurs, délivre-le de ses souffrances. Voilà. Donc, il a dérobé le feu du ciel, il est puni, le lieu de sa demeure est connu sous le nom d'Enfer, le domaine d'Hadès. Il lui est demandé d'aller dans le domaine d'Hadès, donc le domaine du maître des enfers. Bon, Hercule accepte et il franchit la 10e porte. C'est un disciple obéissant, il sait que le maître ne veut que son évolution, donc il dit, bon, eh ben, on va essayer, il fait de son mieux. Encore une fois, souvent le mot maître est mal compris en Occident parce qu'on le confond avec la notion maître-esclave, qui est la seule qui est compris en Occident, des dominateurs, des gouvernants, des chefs, des polices répressives, de l'armée, des tas de phénomènes où le pouvoir est installé hiérarchiquement avec une notion d'obligation, de contrainte, d'interdit, de punition. Évidemment, quand le mot maître, à ce moment-là, résonne de manière extrêmement sinistre dans l'esprit de la plupart des Occidentaux, alors qu'en fait, un vrai maître, c'est quelqu'un qui est complètement dans l'amour et qui justement veut nous apprendre à sortir de ces relations de pouvoir pour nous faire entrer dans ces relations d'amour. Il y a que deux solutions sur Terre, il y a le pouvoir de l'amour ou l'amour du pouvoir, je répète souvent, mais c'est très important à comprendre. Et les vrais maîtres, les maîtres spirituels, qui s'appellent gourou en Inde ou lama au Tibet, et c'est pas des insultes gourou, parce que maintenant le mot gourou on l'a tellement abîmé par les faux maîtres, justement ceux qui veulent nous empêcher d'accéder à l'initiation parce que sinon on va découvrir qui on est et on est plus malléable, manipulable dans la grande secte de la société capitaliste. On est beaucoup plus manipulable si on ne sait pas qui on est, bien sûr. On va chercher à combler des désirs sans cesse et donc on va consommer et on va devenir un con sonné sonné par la consommation. Donc, rappelez-vous que le mot maître, ça veut dire ça, c'est très important. Mais peu de gens peuvent mériter ce terme. Il faut atteindre l'éveil, la réalisation, ce qui est assez rare. Mais en tout cas, il ne s'agit jamais d'une manipulation de l'esprit humain comme la parano collective veut essayer de nous le faire croire pour nous faire peur de ce qui nous délivrerait, justement. Plus on aura peur de ce qui nous délivre, plus on sera manipulable. Et celui qui a peur des enseignements spirituels, celui qui croit que ça va l'emmener dans une secte, ben il est déjà dans la secte de ceux qui l'ont manipulé pour lui faire croire qu'il faut avoir peur de ceux qui amènent la libération. Voilà, c'est un sujet important, je préfère l'aborder avant de parler du Capricorne, parce que Capricorne c'est vraiment le signe des maîtres, quoi. Du rapport des maîtres et des disciples, justement, qui est un rapport de fraternité profonde, d'exemplarité entre ceux qui sont plus avancés par rapport à ceux qui sont moins avancés. C'est l'immense chaîne de solidarité qui existe entre le parent et l'enfant. On n'essaye pas, quand on éduque son enfant, de le dominer ou l'écrabouiller sous sa propre force. Au contraire, on essaye de lui faire trouver à lui sa propre force, de lui faire grandir. Et c'est ça la vraie relation, ma disciple, c'est comme une relation parent-enfant, comme ça. C'est-à-dire celui qui est le plus avancé essaye d'aider celui qui l'est moins. Et celui qui est plus avancé doit lui-même essayer d'avoir assez d'humilité pour aller se faire aider par d'autres qui sont plus avancés que lui. C'est une chaîne infinie, une espèce de cordée, disent certains. Voilà.
Alors il descend dans les mondes contraignants de la forme, il va descendre, l'atmosphère devient étouffante, l'obscurité est toujours plus intense, il descend. Là on a le principe de la sadhana, les 3 P, quoi, la pratique, la patience et la persévérance, et Saturne, quoi, c'est-à-dire la volonté de descendre toujours plus à l'intérieur de lui-même par la méditation. Seul et pas seulement tout à fait seul, Hercule, elle est toujours long. On n'est jamais tout seul quand on médite. Il faut savoir que quand vous méditez, vous commencez à faire partie de toute la fraternité blanche universelle. Alors, je sais que c'est devenu le nom d'un groupe. Avant que ce groupe se nomme, bon, il a raison de se nommer comme ça s'il veut, mais enfin, il ne s'agit pas de critiquer ce groupe, mais il s'agit de dire que le mot fraternité blanche universelle voulait dire quelque chose bien avant que ce groupe existe. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le monde invisible, les anges, les saints, les yogis, les initiés, les lamas réalisés, enfin, tout ça, ils n'ont pas les grands chamans amérindiens, ou esquimaux, enfin, peu importe, ou sibériens, tous ceux qui ont atteint un état de conscience supérieure dans lequel l'âme est complètement vivante et l'ego complètement transpercé, l'illusion de l'ego de complètement transpercé, ils forment une immense fraternité de lumière, et ils aident, selon les chemins de chacun, ils aident à parcourir le chemin pour ceux qui restent en bas, un peu coincés dans le monde de la forme, dans le monde matériel, comme nous autres. Donc cette fraternité invisible agit, c'est comme on dit, l'âme agit, l'âme agit de Noël. Donc quand il cherchait en lui-même, il entendait la voix argentine de la déesse de la sagesse Athéna et les paroles encourageantes d'Hermès. Voilà, ça, c'est les deux principes de conscience qui sont là, le principe de conscience féminine Athéna, Pallas en astrologie, et Hermès, Mercure en astrologie, qui sont les deux points qui permettent par notre propre sagesse intérieure et nos propres capacités d'utiliser un mental clair, un mental clarifié des fois par les enseignements, par la lecture souvent des enseignements, parce que on a du mal à se clarifier tout seul, c'est sûr. Et le mieux, c'est des fois, comme Mercure, d'être éclectique, d'aller voir des enseignements un peu différents pour voir qu'en fait, ils disent tout de manière un peu différente, sur des points de vue différents, la même chose. Quand on commence à voir la focalisation de tous ces points communs, on fait comment s'agiter, on commence à focaliser la flèche dans la bonne direction. On voit que, globalement, c'est toujours un peu la même chose qui forme le chemin d'initiation. Donc, il descend. Il est encouragé par ses paroles, par la clarté de son mental, par la clarté de son intention, en fait. L'intention vient du mental. Si on a clarifié son mental, on sait ce qu'on a à faire, on sait que la meilleure chose qu'on puisse faire sur Terre, c'est de méditer, tout en faisant tout ce qu'on a à faire par ailleurs, bien sûr, mais méditer va permettre d'aller 10 fois plus vite dans l'évolution et de se voir soi-même tel que l'on est, pas tel qu'on s'imagine être, ou tel qu'on croit que les autres nous voient, ou etc. Enfin, toute cette manière de se prendre les pieds dans les fleurs du tapis qui font qu'on perd un temps fou sur le chemin d'évolution et qu'on souffre 3 fois plus que si on voyait les choses clairement. Donc il descend dans les enfers, il descend en obscurité, donc c'est descendre en soi-même, et là il arrive auprès du Styx, la rivière empoisonnée que doivent traverser tous les âmes décédées. Évidemment, c'est l'astral, hein, cette rivière empoisonnée, c'est l'astral qui est souvent pourri par tous les désirs, les haines, les souffrances, et les cris des émotionnels malades, quoi. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de gens, médiums, ça, peuvent souffrir quand ils traversent cette zone-là, parce que c'est pas évident d'en sortir indemne, il peut y avoir des entités, tout ça, voilà. Donc, il fallait verser une obole à Charon. Charon, c'est celui, pour les astrologues, c'est le satellite de Pluton. Mais disons que dans la mythologie, c'est le passeur, celui qui conduit les âmes de l'autre côté, dans le royaume d'Hadès, qui les fait passer du monde du trépas, du monde des vivants où ils sont pleurés, où tout le monde se lamente parce qu'ils sont partis, qu'ils ont quitté leur corps. Mais lui, il s'en fout, il prend leur âme et puis il les fait passer de l'autre côté, dans le monde intérieur. Alors, n'oublions pas que pour les Grecs, le mot enfer n'a pas du tout la même signification que pour les chrétiens. Dans le mot chrétien enfer, il y a une notion de punition, il y a une notion de chaleur infernale, de souffrance. Alors que pour les Celtes d'ailleurs aussi, pour les chamans amérindiens ou pour les Grecs, il y a une notion d'un monde d'en bas plutôt, d'un monde des âmes décédées et du monde d'en bas qu'on trouve chez les chamans, c'est-à-dire le monde des devas, de la nature, des forces qu'on peut. Alors c'est pas du tout la même chose, hein, mais c'est
Disons qu'il y a, en général, il y a trois mondes comme ça qui sont souvent décrits. C'est le Triskel, le Celte, le décrit. Et le monde d'en haut, c'est le monde des Devas, des anges, des forces qui peuvent nous guider, des maîtres intérieurs, des maîtres invisibles ou des maîtres visibles. Parce que les maîtres visibles incarnés peuvent agir aussi à ce niveau-là, au niveau du monde d'en haut, bien sûr. Parce qu'apparemment, ils sont dans un corps, mais en fait, ils ne sont plus dedans, ils sont au-delà. Donc, si vous rencontrez, je sais pas, Ma ou le Dalai Lama, par exemple, bon, ben, vous allez bien, ou Mermira, peu importe, enfin, ce que vous voulez, Muji, vous allez sentir qu'en fait, ils sont là, bien plantés dans leur corps, très très fortement, mais qu'en même temps, ils sont largement au-delà de ce corps. Parce qu'en fait, ils l'ont déjà transcendé. C'est ce qui fait que quand on voit ça de près, on est aussitôt convaincu qu'il s'agit bien non pas d'une croyance ou d'un dogme ou d'une religion, mais qu'il s'agit bien d'un état expérimenté de l'être, qui, quand il est expérimenté, donne des facultés extraordinaires, non pas magiques, comme font croire les cathos intégristes. C'est pas des facultés magiques, c'est des facultés christiques, c'est des facultés justement de rayonnement yogique, de rayonnement du corps de lumière, qui, parce que le Christ habite dans la personne elle-même. Le Christ qui, ou le Bouddha, enfin, c'est la même chose, hein, évidemment. Ceux qui font des différences, c'est ceux qui souvent ne vivent pas cet état, sinon ils en feraient pas, évidemment. Tous ceux qui l'ont vécu témoignent que c'est la même chose. Et je peux témoigner aussi pour l'avoir vécu sans être installé dedans, que c'est exactement la même chose. C'est le même être. On pourrait l'appeler le soleil, d'ailleurs, astrologiquement, on peut l'appeler le soleil. Donc, le sombre visiteur, qui était Hercule, le genre un peu rappeur, catcheur, il a tellement effrayé Charon qu'il oublie la rétribution, il dit « Bon, ok, je te fais traverser, je veux pas de problème, là, vas-y, monte et je te fais traverser le côté ». Voilà, parce que Hercule, c'était un sacré, voilà, il a une grande force, quoi. Et donc, il fait un peu peur. Donc là, en général, c'est le prix à payer, ça, l'obol, la version Charon, c'est le prix à payer pour pas, ça représente l'effort de la sadhana. C'est-à-dire, quand vous commencez à travailler, la sadhana, ça s'appelle l'ensemble de tous les efforts que vous faites pour vous enrichir mentalement, émotionnellement et physiquement, pour vous purifier sur ces trois plans. Ça s'appelle la sadhana, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les pratiques possibles pour, et ça, c'est le prix à payer. C'est-à-dire, il y a un effort. Si vous faites pas cet effort, il y aura rien qui se passera. C'est ça, l'obol, Charon. Vous traverserez jamais le Styx. Si vous essayez de traverser la nage, vous y arrivez pas. Il faut se servir de la barque de Charon. C'est-à-dire, faut payer le passage, quoi, un petit peu. C'est le passage de toutes les initiations. Et ça commence souvent par une rencontre avec un maître, ou avec un cours de yoga, ou avec un thérapeute qui va tout d'un coup nous montrer que nous ne connaissons qu'un dixième de nous-mêmes et que les 9/10 sont encore à défricher, qu'il peut nous aider à le défricher. Mais c'est vous qui allez défricher, c'est jamais lui qui va le faire à votre place. Ça, si quelqu'un veut le faire à votre place, fuyez, c'est pas bon, quoi. Donc, quand Hercule aperçut alors la méduse avec sa chevelure entrelacée et de serpents qui sifflaient, il saisit son épée et lui porta un coup, mais ne frappa rien d'autre que le vide. Hop, elle a disparu. Bon, ça, évidemment, c'est la peur. La peur est complètement illusoire. Elle fait très peur si on y croit, mais si vous balancez un coup d'épée, l'épée, ça représente le mental. Si vous percez à jour par le mental ce que ça signifie, il y a rien d'autre que du vide, quoi. La peur est vide. C'est une mémoire du monde animal qui reste dans notre cerveau et qui sert à rien d'autre qu'à vous faire éviter des dangers réels, physiques. Mais dès que vous, à partir de la peur, vous commencez à élaborer. Ce que je dis souvent, c'est que n'importe quelle pensée qui suit la peur est en général, 95% des fois, est fausse. Vous pouvez vous baser là-dessus tranquillement et vous avancerez beaucoup bien, parce que si vous jamais vous avez le malheur de croire aux pensées qui partent de la peur, en fait, bah vous enfoncez complètement en l'ignorance. Vous allez tout droit dans la mauvaise direction. Évidemment, le chemin, une fois que vous aurez compris comment il faut parcourir le chemin, vous serez obligé de reparcourir tout le chemin que vous avez fait dans la mauvaise direction pour enfin arriver au point de départ d'où vous auriez dû partir dans la bonne direction. J'insiste, la peur peut être, Castaneda disait, la peur est le premier ennemi de l'homme de connaissance. Attention. Ça veut dire vraiment, ne suivez jamais la peur. Prenez en compte, accueillez-la, regardez ce qu'elle vous dit. Des fois, elle indique une chose pas forcément toujours fausse, mais en général, c'est faux quand même. En général, c'est un voyant rouge. Je raconte souvent la blague de la peur d'une nana qui est sur l'autoroute, là, et puis tout d'un coup, elle y connaît rien, elle voit un voyant qui s'allume sur sa voiture. J'ai une nana parce que voilà, je suis phallocrate. C'est vrai que souvent, bon, ils ne savent pas toujours le truc. Ce que ça veut dire, la mécanique, c'est pas leur truc. Hein. C'est pas une critique, c'est comme ça, hein, chacun son truc. Donc, elle voit le truc rouge allumé, elle dit, oh là là, si ça se trouve, c'est un truc dangereux, comme c'est rouge, faut peut-être que je m'arrête. Elle s'arrête au garagiste à côté et dit, oh là là, ça me fait peur, il y a ce voyant rouge qui s'est allumé, là, vous pouvez regarder si vous voulez.
il y a le garagiste qui arrive, je regarde, il dit, ah ouais, au large, ouais, ça m'effraie un peu, qu'est-ce qu'il faut faire? Bougez pas ma petite dame, n'ayez pas peur, regardez. Le garagiste, il va chercher un marteau et bam, il éclate de voyant rouge, voilà, ça y est, vous pouvez rouler. Donc, ça veut dire que celui qui vous débarrasse de votre peur, en n'en tenant pas compte, c'est pas forcément votre ami non plus. La peur peut vous prévenir de quelque chose, mais donc c'est pas non plus une solution de l'ignorer, quoi. Mais la suivre, c'est pire que tout. La peur est un mauvais maître. Par contre, c'est une indication, comme le petit voyant rouge, une indication utile. Elle vous dit attention, il y a quelque chose qui va pas. Cherche où c'est, mais ne la suis pas dans ses indications, puisque vous voyez très bien que cette nana qui a peur de ce voyant, ça représente notre émotionnel qui est fasciné par le voyant de la peur et qui perd ses moyens au point de se confier à quelqu'un d'autre qui fait n'importe quoi. Voilà, c'est une petite blague, mais elle est instructive, je trouve. Donc, et enfin, il arrive dans les régions d'Hadès. Hadès, ça représente Pluton. Alors, Pluton n'a pas un rapport étroit avec le Capricorne, sauf qu'on peut dire que si on comprend bien le petit pont qui existe par sextile entre tous les signes yin et tous les signes yang, la sextile, c'est une relation de deux signes qui sont séparés par un autre, donc deux signes plus loin à chaque fois. Et donc, deux signes avant, c'est le scorpion, et deux signes après, ça sera le poisson. Donc le capricorne est le pont entre le scorpion et le poisson. Et comme ça vient du scorpion, le Pluton est extrêmement important aussi. C'est-à-dire que si le Pluton dont on a parlé en scorpion n'a pas été résolu, si on n'a pas été voir ces dossiers problématiques, évidemment, ça va être dur. On ne va pas pouvoir avancer. Donc la mine menaçante, le roi était assis sur son trône noir et il lui dit « Qu'est-ce que vous, mortel, cherchez dans mon domaine ?»« Je cherche à libérer Prométhée, » répondit Hercule. Donc là, c'est clair. Il s'agit de l'éveil de l'âme. Chercher à libérer Prométhée, c'est chercher à libérer Uranus en nous, c'est-à-dire la capacité de s'auto-éveiller, de s'auto-initier, de s'auto-éveiller, qui est en chacun. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'autres personnes pour nous aider à allumer cette flamme, mais ça sera toujours à nous de la porter ou de la laisser s'éteindre. Ça, c'est la plupart des gens la laissent s'éteindre. Enfin, dans un domaine où on a été conditionné par les sites, par le web, par tous les la capacité de cliquer, de zapper, tout ça sans arrêt, on ne se rend pas compte que certains discours valent 100 fois plus que d'autres. On n'a aucune idée. Donc tous les discours se valent, mais on va zapper au moment où ça nous ennuie un discours vers un autre, au lieu de voir la valeur essentielle, profonde, que peut avoir pour toute notre évolution un seul discours. Et ça, ben, tant pis, hein, pour ceux qui veulent zapper, ils ont le droit de zapper, mais ils se zappent eux-mêmes, en fait, sans le savoir. Donc, chercher à libérer Prométhée, chercher à libérer en nous la puissance uranienne d'éveil de l'âme, c'est la raison pour laquelle vous êtes sur Terre. On va dire ça carrément. C'est pour ça que le Capricorne peut être vu comme la cause principale de l'incarnation. On pourrait dire que c'est la naissance de l'incarnation d'une âme sur Terre. Bien que dans le monde de la forme, la naissance dans le monde de la forme, l'accouchement a lieu au contraire en cancer, quoi. Donc on a balance le couple, 9 mois après cancer, le bébé jaillit, quoi. Mais en Capricorne, 3 mois après la conception, on pourrait dire, il y a le moment où l'âme descend dans le corps. C'est pour ça que les histoires bon, je ne veux pas aller là-dedans, mais enfin, les histoires d'avortement sont très intéressantes à étudier, parce qu'effectivement, il y a bien une âme dans le fœtus, mais elle descend surtout au troisième mois, de manière générale. Enfin, c'est pas précis à ce point. C'est-à-dire que c'est pour ça que, de toute façon, il faudra quand même se débrouiller pour considérer comme un crime un avortement qui a lieu au-delà du troisième mois, contrairement à ce que disent maintenant les médecins qui veulent... À une époque, on empêchait les femmes d'avorter, et maintenant on est au point que, comme ça rapporte du fric, voilà, on va... Par contre, on va plus du tout écouter le fait qu'effectivement, les pro-vie, là, comme ils s'appellent entre eux, qui sont souvent des cathos intégristes, qui se trompent profondément sur la nature du fœtus en général aussi, bah c'est ils ont quand même raison d'un point de vue que c'est bien un être humain en devenir, et qu'il y a un moment donné où il y a une âme qui descend dedans, où c'est plus... Si vous regardez un fœtus, il y a un moment donné où c'est un petit animal, ça ressemble à une souris, puis ça ressemble à un petit singe, comme ça, puis d'un coup l'âme descend dedans, et là on peut dire que le cerveau humain réellement commence à se former. Bon, ça c'est le troisième mois, donc c'est au moment du Capricorne, on va dire, hein, c'est si on admet que la...
que la conception a lieu en balance au moment du couple. Donc, naissance de l'âme dans le monde de la forme et naissance de la forme humaine, c'est-à-dire la vraie naissance, qu'on appelle la naissance physique, on sort du ventre de la mère, après 9 mois de gestation, eh bien cette naissance-là, elle a lieu dans le signe du cancer qui est juste en face. Hein. Donc on a une compréhension profonde là de ce que c'est le. Donc on doit faire, quand on dit qu'on doit faire naître l'initiation en nous, c'est-à-dire libérer Prométhée, on parle bien de l'éveil de l'âme, c'est-à-dire que l'âme a été posée en nous à ce moment-là, et il faut qu'on la retrouve évidemment, sinon on perd son temps à être un animal. Alors ça peut être un animal qui a l'air intelligent, ou qui a des diplômes, ou quoi que ce soit, hein, qui peut se balader avec sa petite mallette, son petit costard et tout ça, et dire il y a des gens qui ont réussi, d'autres qui ne sont rien. Mais ceux qui n'ont pas commencé cet éveil de l'âme à se libérer, c'est eux qui ne sont rien réellement. Réellement, parce que c'est leur passage sur Terre, quel que soit le pouvoir apparent qu'ils ont, ne sert à rien. Et d'ailleurs, moins ils sont contactés au spirituel, moins ils font quelque chose d'intéressant, plus ils se trompent. Regardez ce qu'a pu faire Martin Luther King ou Gandhi, tout ça, en étant très contactés à leur âme, ou même Obama qui priait, qui, bon, ça reste un président américain, donc néolibéral, mais il priait beaucoup et il a fait des choses extraordinaires, de même que Lincoln, ça c'est des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Ils ont beaucoup été empêchés par la structure politique, mais enfin ils ont essayé. Donc, alors que si la personne n'a pas libéré son Prométhée intérieur, ben elle est complètement esclave de sa propre corruption, de son propre désir de pouvoir, de sa propre ambition, de sa propre compétitivité, tous ces mots clés qui forment le macronisme et qui forment en fait l'anti-initiation qu'on retrouve représentée sur le trône de Hadès par Poutine, qui représente tous ces défauts-là rassemblés dans une seule personne, c'est-à-dire le cynisme absolu qui fait que il y a absolument pas besoin de libérer les âmes. Au contraire, il faut les torturer, les enfermer, de manière à garder le pouvoir absolu. Évidemment, si vous cherchez les 4 cavaliers de l'Apocalypse, l'audio que j'ai fait sur... Non, c'est une vidéo, pardon, que j'ai fait sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse, vous retrouverez que dans les 4 cavaliers, ils sont tous dépendants de cette motivation principale qui est le cinquième, qui est au centre, qui est représenté par Poutine, mais qui n'est pas que Poutine, hein, qui est le principe de l'antéchrist, quoi, de l'antichrist. Voilà, c'est-à-dire de ce qui s'oppose à l'énergie solaire en nous. Donc l'éveil de l'âme est très important et il vient libérer Prométhée à l'intérieur de ces terres noires que sont le monde intérieur profond, le monde de l'inconscient. Alors le sentier d'Hadès est gardé par le monstre Cerbère, un chien à 3 grosses têtes, un chien menaçant et énorme. Donc là on peut penser à Mars, Mars est en exaltation. Là on a vu surtout Saturne, la descente, ça, l'effort, la salanade, tout ça représente Saturne, on sait que Saturne est en domicile en Capricorne. Et là maintenant on voit Mars, Mars va être ce chien, cette agressivité native, cette espèce de force de la nature. Autour de chacune de ses têtes est enroulé un serpent. Si vous pouvez le vaincre les mains nues, l'exploit que personne encore n'a accompli, vous pourrez délivrer Prométhée. Bon, Hercule est satisfait de cette réponse, il est content, il se met en route avec ça. Il vit bientôt le chien à 3 têtes et entendit ses aboiements furieux. Évidemment, le chien est là pour garder la porte des enfers, et donc il montre les dents et il se précipite sur Hercule. À ce moment-là, Hercule saisit Cerbère à la gorge centrale des 3 têtes et il la tient serré comme dans un étau. Le monstre se débattit comme un forcené, puis sa force faiblit et Hercule le maîtrisa. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on ne dit pas forcément que Hercule le tua. On va comprendre pourquoi après, parce que ça symbolise quelque chose qui n'a pas besoin d'être tué, qui ne doit pas être tué d'ailleurs, qui est toutes nos forces instinctives, mais qui doit être maîtrisé. Donc le monstre se débat comme un forcené, il y a quelque chose qui... Dès qu'on arrive à essayer de maîtriser ses forces intérieures, il y a un combat des fois énorme qui se fait entre la lumière et l'ombre, qui peut être très pénible ou très déprimant selon le type de tempérament qu'on a. Soit c'est une bataille farouche pour ceux qui ont des tempéraments yang, soit c'est quelque chose qui est totalement déprimant et qui nous désespère pour ceux qui ont un tempérament yin. Mais on est obligé de passer par là et il faut essayer de ne pas se faire battre par Cerbère, mais plutôt d'arriver à Hercule, enfin le conseil de... Ben voilà. Et il nous dit par son acte qu'on doit s'attaquer à la gorge centrale. Sinon, si on s'attaque aux 2 autres, on ne va pas y arriver. Alors, on va voir pourquoi tout à l'heure. Hein. Il continue son chemin et il trouve Prométhée qui gisait sur une dalle dans une terrible souffrance. Hein,
Et rapidement, il rompit ses chaînes et il libéra Prométhée. Et rebroussant chemin, il s'en revint comme était venu. Et lorsqu'il a atteint le monde des vivants, il y trouva son instructeur qui lui dit « La lumière brille maintenant dans le monde des ténèbres, dans le monde de l'inconscient personnel, quoi, et peut-être collectif aussi. Le travail est accompli, repose-toi mon fils. » Je dis peut-être collectif aussi parce que c'est le premier signe d'hiver. Et l'hiver est le signe du branchement avec le collectif. C'est pour ça qu'on dit que l'année, enfin, les gens, beaucoup d'astrologues disent « Ah oui, l'année commence au premier degré du bélier. » Oui, d'un point de vue psychologique et humain, elle commence au premier degré du bélier. Mais du point de vue de l'avenir de l'humanité et des causes initiales de tout ce que le mouvement de l'humanité, la cause spirituelle est toujours au zéro degré Capricorne. Et donc l'année 2024 ne naît pas le 1er janvier. Elle n'est pas non plus, comme croient les astrologues, le 21 mars, comme ça c'est issu de la tradition perse, qui a commencé à faire de l'astrologie personnelle. Et pour l'astrologie personnelle, je dirais que c'est quand même valable. Je ne critique personne. J'essaie de montrer comment ça fonctionne comme mandala en entier. Et par contre, le début du Capricorne est bien la naissance du zodiaque, et donc la naissance de l'année. Ce décalage de 10 jours est dû d'ailleurs à des décalages du calendrier. Autrefois, on faisait commencer l'année, évidemment, à Noël. Quoi. Mais bon, maintenant, on a un décalage assez fort. C'est dû à des décalages entre des calendriers, des constellations et celui des signes qui a mal été compté quelquefois. Enfin, voilà. Parce que l'année ne dure pas 305 jours, mais 305 jours, 25, en gros, 24-25. Et donc, voilà. Donc, du coup, ce petit décalage accumulé à travers les années fait que ça se décalait. Bah, il suffit de voir la révolution d'octobre en Russie, où ils avaient gardé l'ancien calendrier julien, et sans adopter le calendrier grégorien, maintenant où nous sommes tous, que les Ukrainiens viennent d'adopter récemment, pour se séparer de l'église orthodoxe russe, mais le calendrier grégorien, donc le nouveau calendrier, dit bien que cette révolution a lieu le 8 novembre. 7 et 8 novembre. Donc, la révolution d'octobre, donc 8 novembre. Cherchez l'erreur, simplement parce que, bah oui, 8 novembre, vous enlevez 11 jours, vous trouvez fin octobre, tout simplement. C'est décalage des calendriers, c'est tout. Donc, le vrai calendrier de 2024 vient de naître, il est déjà né le 22. J'aurais dû faire les prévisions avant, j'essaye, mais je suis dans la nécessité, à cause de mon électrosensibilité, d'être aidé par des gens, puisque je peux rien faire par Internet moi-même. Je fais que cet enregistrement tout seul, c'est tout. D'une seule traite, je peux faire aucun trucage, aucune coupure, tout est improvisé d'une seule traite. Et c'est après quelqu'un d'autre, un ami qui me met ça, qui m'aide à mettre ça sur YouTube. Donc évidemment, si lui-même est dans des difficultés ou n'est pas là ou je ne sais quoi, bon, évidemment, c'est pas évident. Ou quand moi-même je suis en difficulté, et ben voilà, tout ça est retardé. C'est moins facile que d'être autonome totalement. Et en même temps, ça représente bien ce qui va se passer dans les années à venir. Il faudra de plus en plus qu'on travaille en groupe, qu'on travaille en solidarité, en fraternité, et qu'on arrête de se centrer sur son petit nombril et sur ses propres capacités. Il faut que les gens s'entraident, quoi. Il faut que les dons humains circulent entre les êtres humains. Qu'on rentre dans ce que j'appelle l'inter-éducation, quoi. Il faut s'éduquer les uns les autres, quoi. Sinon, on va se faire bouffer la tête par les dominants, quoi. C'est déjà le cas. Voilà, donc Prométhée libéré, bah, c'est le karma qui est libéré, hein. C'est-à-dire les dossiers inconscients, ce que Pierre Le Guillemet dans l'Ashram du cœur appelle souvent les dossiers. J'aime bien l'expression, c'est pas mal. On contient un tas de dossiers non résolus, des autres dossiers en souffrance, on pourrait appeler ça. Et ben, quand on médite, au bout d'un moment, ben, ils remontent à la surface, il faut les résoudre. On ne peut pas garder ça à l'intérieur, parce que ça nous pourrit la vie tout doucement. Il faut les sortir, les ouvrir, ces dossiers, voir ce qu'il y a dedans. Et quand on ouvre ce qu'il y a dedans, des fois, c'est pas facile, mais au moins, ça se libère. C'est éclairé par la lumière et ça cesse d'être inconscient pour devenir conscient. Voilà. Bon, c'est un signe très difficile à commenter, hein. Je vais essayer de le faire, mais on dit même que son symbole, le Capricorne, là, ça ressemble à la lettre A tibétaine. On dit que c'est peut-être la lettre A tibétaine, c'est-à-dire la signature de Dieu, c'est-à-dire la naissance de l'énergie cosmique. C'est ce que je viens de dire en disant que chaque année naît au zéro degré Capricorne. Et il est dit que si on l'a tracé un peu de travers comme ça, sous forme de Capricorne, c'est pour pas dessiner le fameux A tibétain qui est carrément une puissance magique. Dans le Dzogchen, Namkhal Narbu, on médite carrément dessus, quoi. Mais ça peut produire un afflux de force considérable parce que c'est des symboles extrêmement puissants, comme le Aum.
Donc, ça représente une chèvre, apparemment. Alors, la chèvre, c'est l'animal. Ça représente, dans le signe du Capricorne, ça représente, il y a trois animaux dans le signe du Capricorne. Il y a le crocodile, c'est la queue de lézard, là, un peu de serpent qui est en arrière. Il y a la chèvre et il y a la licorne. On pourrait dire trois stades successifs dans lesquels, qui représentent l'apparition de l'initié à partir de l'ambition, quoi. Donc, la chèvre, c'est le côté plus, le crocodile, c'est le côté instinctif qui va faire que, on va s'enfermer dans une espèce de je vais avoir raison, d'égo extrêmement centré sur soi, un peu agressif, ou c'est un peu le signe passif-agressif aussi par excellence, le Capricorne, parce que ça contient une notion de résistance, de contrôle, de vouloir contrôler l'autre ou soi-même. Voilà. Donc, tant qu'on est là-dedans, c'est l'ego qui règne, et c'est le crocodile, c'est cet animal sournois caché dans les eaux. Alors qu'on est dans un signe de terre, donc il faudrait qu'il remonte au moins sur la terre ferme, quoi, pour commencer à devenir la chèvre. Donc remonter sur la terre ferme, ça veut dire ne cesser d'être dans son monde intérieur, d'obéir en fait à des pulsions la pulsion principale de l'ego, c'est je veux avoir raison, quoi. Je veux contrôler, je veux dominer, je n'accepte pas d'être mis en question par autrui, je n'accepte pas d'être mis en question par les situations, je n'accepte pas de peut-être parce que je me sens coupable, peut-être parce que je me sens dans l'erreur. Il y a beaucoup de culpabilité dans le signe du Capricorne aussi. Donc tous ceux qui ont un Saturne mal aspecté ou dans un signe où il est pas bien, comme en Bélier ou en Cancer, ou un Saturne rétrograde, comme à Macron aussi, peuvent être en souffrance. Ils peuvent rester coincés des fois dans le monde du crocodile, c'est-à-dire ne pas voir qu'ils sont parfaitement capables de retourner sur la terre ferme, dans le monde réel, dans le monde du concret, et pas rester hors sol. Parce qu'ils sont trop centrés sur leur propre ego, sur leur propre désir de contrôler. On ne peut pas contrôler la vie. C'est la vie qu'il faut apprendre à se laisser faire par la vie et non pas essayer de la contrôler. On ne peut pas contrôler la vie, c'est impossible. On peut par contre soi-même apprendre à maîtriser. On va voir que c'est ça. Il ne faut pas confondre contrôle et maîtrise. Contrôle, il y a quelque chose de serré, de tendu. La mâchoire est serrée, les épaules sont rentrées, le dos est courbé. On force, quoi. On force. Et dès qu'on force, ben, on n'obtient jamais rien. L'effort ne doit pas être fait sous forme d'une crispation, il doit être fait sous forme d'un dynamisme, on peut appeler l'élan du cœur. Alors ça invite des fois à faire de vrais efforts, hein. On peut évidemment être assez dynamique là-dedans, mais le dynamisme n'est pas la même chose que le forcing, quoi, évidemment. Et tous ceux qui ont fait un burn-out me confirmeront. Donc, alors, la chèvre, elle arrive sur la terre ferme, mais là, ça évolue, c'est le moi un peu plus évolué. On va vouloir satisfaire son ambition et ses désirs, tout simplement. Alors bon, bah, on va brouter sur le chemin. Ça broute des épines, hein, les chèvres. Et les épines, bah, ça va être le résultat de nos désirs qui vont soit amener de la satiété, c'est-à-dire l'impression que c'est satisfait, donc j'ai plus envie de rien, soit des désillusions ou des déceptions. Ça alterne sans arrêt. Et plus la chèvre alterne comme ça ou se pique aux épines qu'elle mange, plus elle est à la fois dans le désir, plus elle se pique, plus voilà, plus elle commence à comprendre qu'il y a un secret dans cet univers qui est celui de la souffrance. Et là, référez-vous aux quatre nobles vérités du Bouddha, c'est-à-dire qui commence toujours le premier enseignement qu'a donné le Bouddha sur Terre, c'est la souffrance est concomitante à la vie sur Terre, à la forme de la vie sur Terre. Vous ne pourrez pas avoir de vie sans souffrance, c'est impossible. Ne serait-ce que parce qu'il y aura la maladie, la vieillesse et la mort qui vous rencontreront un jour. Et plus ou moins tôt, plus ou moins tard. Donc, étant donné que c'est le lot de tout être humain, ne pas vouloir le voir, c'est se voiler la face, et c'est évidemment se préparer plus de souffrance que si on accepte de regarder ça en face. Donc la chèvre se dit, ben, autant profiter du chemin, puisque voilà, il y a ces épines de la souffrance, mais ce faisant, elle ne comprend pas que cette souffrance vient de ce qui est avant. Donc c'est là que la licorne va intervenir et va commencer à amener, la chèvre monte le long de la montagne, de plus en plus elle monte, elle devient une espèce de chamois on pourrait dire plutôt, et c'est là qu'elle a la vision de l'ensemble, elle dit ah d'accord, si je veux sortir de la souffrance je dois m'élever intérieurement, parce que la cause des souffrances est à l'intérieur et des karmas qui sont inscrits dans mon inconscient intérieur de moi, et si je les nettoie pas, ben, évidemment cette souffrance gagnera toujours. Donc je ne peux pas m'attaquer à la souffrance directement parce qu'elle est déjà un effet d'une cause précédente. Par contre, si je sais que toute souffrance a une cause, alors je peux pratiquer sur les causes directement. C'est-à-dire essayer de voir, est-ce que je peux annuler les causes des souffrances futures? Et ça, oui, on peut les annuler tout de suite, maintenant. On peut commencer maintenant. Et si on commence maintenant, évidemment, ça va commencer à se faire. On va commencer à détricoter la corde qui sert à nous pendre. et donc à s'en libérer. Et c'est là qu'apparaît la licorne, on voit que
la double corne de la chèvre ou du chamois qui représente la dualité, c'est forcer avec le mental, essayer de comprendre le mental, lire des bouquins, rencontrer des maîtres, suivre des enseignements sur YouTube, enfin voilà. Tout ça, c'est très très bien, mais on a encore les deux cornes, c'est-à-dire on a encore cette dualité qui dit ah ouais, mais ça j'ai compris, mais ça j'y arrive pas. Oui, il dit ça, mais moi c'est pas ce que je vis. Enfin, on a l'impression que c'est pas ce qu'on vit, parce que bon, si quelqu'un décrit vraiment les processus initiatiques, on le vit tous normalement. Mais des fois, on a l'impression de pas comprendre ou d'être à côté. Donc ça, c'est les deux cornes. Hein. On pousse un petit peu, on se bagarre comme les chamois quand ils se bataillent au sommet des Pyrénées. C'est très beau à voir. Des fois, ils se cassent la gueule, c'est fascinant. Mais bon. Alors revenons à nos moutons, à notre chamois qui devient licorne. La licorne, c'est quand il n'y a plus qu'une seule corne. Alors ça, c'est un animal mythique, ça représente l'initié, c'est-à-dire le troisième œil. Cette corne, c'est la puissance de pénétration du troisième œil. Hein. C'est la corne qui est au milieu du front. Voilà. Bon, donc je vais aller plus vite un petit peu. On a dit aussi que Jésus, quand il est devenu Christ, il est descendu aux enfers. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il est allé chercher avec l'amour les âmes perdues. Donc on voit très bien que cette descente en bas ou cette montée en haut de la montagne, c'est deux mouvements qui sont typiques du Capricorne. C'est deux mouvements, dans les travaux d'Hercule, on nous dit descend à l'intérieur, mais on peut dire que le Capricorne, avant de faire ce mouvement intérieur, il a suivi, enfin, on a suivi les neuf autres travaux d'Hercule avant. Donc, on a bien vu qu'on a fait une montée petit à petit jusqu'au Sagittaire. Et là, dans le Capricorne, on dit, bah non, faut descendre aux enfers. Et voilà. Donc le secret, c'est que ben, par exemple, le Christ, s'il s'intéresse, il descend aux enfers, c'est parce qu'il veut sauver jusqu'aux toutes les âmes même perdues qui sont au fond dans la souffrance, il va les chercher dans le monde invisible aussi. Donc pour interpréter le Capricorne, c'est compliqué, c'est cette volonté d'aller sauver, et on sait qu'en psychologie, on dit « Ah ouais, faut sortir du triangle sauveur ». Sauveur, bourreau, victime, quoi, qu'une espèce de triangle infernal de fausse motivation. Oui, mais non, parce que ces forces psychiques existent. Disons qu'il ne faut pas rester enfermé dedans. Il y a un troisième point qui est au centre qui permet de dire quand est-ce que je suis victime, quand est-ce que je suis bourreau, inconsciemment, souvent, quand est-ce que je suis victime inconsciemment, quand est-ce que je suis sauveur, inconsciemment ou consciemment. Si on devient vraiment sauveur petit à petit, on va pas se prendre pour un sauveur. C'est-à-dire que c'est là qu'intervient l'humilité. La terre, la qualité de la terre, c'est l'humilité. Ça vient du humus, la terre. Donc cette qualité terre, c'est ça qui demande au Capricorne. C'est pour ça que il y a souvent le principe du genou, c'est le symbole du Capricorne, c'est le point du corps qui est lié au Capricorne. Il nous est demandé de nous mettre à genoux devant le divin. C'est-à-dire que, alors maintenant, les gens sont tellement orgueux qui disent « Ah ben non, moi je ne mets pas le genou à terre devant quelqu'un, devant un maître, comme ça. » En fait, c'est un peu idiot de penser comme ça, parce qu'il ne s'agit pas d'un maître dominant ni d'un président de la République. Ça, il ne faudrait effectivement pas le faire. Selon les paroles de la chanson de Lavilliers, n'appartient jamais à personne, effectivement. Il faut appartenir à personne. Par contre, mettre genou à terre devant une lumière plus grande, devant une connaissance plus grande, c'est un signe d'humilité profond qui dit « Bon, j'ai beau être très doué en ceci ou cela, je sais que je ne vaux pas grand-chose par rapport à cette propre lumière. » Et ça a été chez les Templiers, c'était partout. Il y avait toujours cette idée du genou à terre qui fait dire « Ok, j'admets que si je veux monter plus haut, il va falloir qu'à un moment donné, j'apprenne de quelqu'un qui est au-dessus quelque chose. » Bon, évidemment, en Occident, ce principe de soumission, d'obéissance, hein, d'obéissance, chasteté, pauvreté, les trois engagements qu'on demandait aux moines autrefois, on sait que ça a pu dériver vers des erreurs terribles, hein, des abus terribles, jusqu'aux abus sexuels, d'ailleurs, qu'on a été mis au courant récemment, où des religieuses ont été abusées, parce que le prêtre leur dit, bah oui, viens voir ce que j'ai entre les deux jambes, et ça te rapprochera de ton Seigneur. Ah bon, vraiment, mais non, je croyais que... Tu ne sais pas, c'est une initiation, ma fille. Voilà, voilà. Et ça s'est fait tellement souvent, ces trucs, c'est un peu... Alors, bon, ça peut être fait plus clairement dans le tantrisme tibétain ou le tantrisme indien, mais bon, souvent, c'est pas très clair quand il y a tantrisme. C'est rare que ça soit fait correctement avec pureté. Il faut déjà avoir éveillé l'âme correctement pour être capable d'enseigner le tantrisme. En général, les gens qui enseignent le tantrisme, il y a beaucoup qui sont là pour... Pour pécho, comme on dit. Et donc, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est détaché, qui est initiatique. Et du coup, si quelqu'un enseigne ça alors que lui-même, il l'a pas compris, il n'est pas installé dans cet état de non-désir, bon, bah, c'est foutu. L'initiation vaut rien et elle risque plus de vous enfermer que de vous libérer.
Je pense à un type récemment là qui était arrêté, un Roumain qui avait comme ça sauté 400 femmes là, auxquelles il promettait le paradis. Ça ressemble aux martyrs qui se font péter la tronche pour avoir 72 vierges de côté. Enfin, c'est des tas de promesses imbéciles qui tournent autour de la sexualité, parce que la sexualité est une force extrêmement puissante, et sans ce genou à terre, l'humilité, on peut être complètement fasciné, emporté par cette force, et après se perdre en fait, parce que c'est une force qui est à la fois extrêmement bénéfique et en même temps qui peut être, si on ne se focalise que là-dessus, ça peut être extrêmement maléfique. Et c'est en Capricorne qu'on va apprendre à maîtriser ça, puisqu'il est en face du Cancer. Le Cancer, c'est le signe des émotions. Je vous rappelle que c'était la biche en Cancer, hein, la biche de Cyrénée. Et donc, si vous reportez-vous à cet enregistrement. Donc on passe, il y a deux portes qui sont primordiales, qui sont la colonne vertébrale. C'est la porte de vie qui est en bas, c'est celle du Cancer, qui introduit à ce qu'on appelle la vie avec un petit V. Et puis l'autre porte en haut, ce qu'on appelle la porte des dieux, qui est au niveau des cervicales, et qui introduit au règne spirituel, donc, et la colonne vertébrale entre les deux, qui est le principe de Saturne. Donc voilà, quand on passe la porte du Cancer, là, on emprisonne la vie dans la forme, on se retrouve matériellement dans un petit corps qui fait waouh, et qui va devoir désirer, voilà, manger, tout ça. Et quand on passe à du Capricorne, on ne s'identifie plus justement à la forme. C'est ce que veut dire être initié. On est initié à la vie, silence, espace. Et de ce point de vue-là, on s'aperçoit que la forme, la vie matérielle, la forme et puis le mouvement incessant des pensées et des émotions étaient pure illusion. Mais bon, ça se fait pas. Il y a un chemin entre les deux. La base, c'est cette vie, j'existe. Le chemin, c'est la colonne vertébrale, c'est la montée successive peut-être, j'allais dire, des milliers, oui, enfin au moins de dizaines et de dizaines d'états de conscience différents, sûrement des milliers d'ailleurs, par la méditation, jusqu'à atteindre cette ouverture en haut de la porte des dieux, où on s'aperçoit que le dieu descend en nous. Le dieu qui est le même que pour les bouddhistes, pour les chamans, pour les chrétiens, évidemment. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit qui descend en nous. À ce moment-là, si on le laisse descendre et qu'on assume, qu'on est capable d'assumer, on verra que c'est le signe du Verseau et le signe du Poisson, si on est capable d'assumer ces deux travaux d'Hercule suivants, eh bien, on devient ce dieu. On dit « je suis le Fils qui vient au nom du Père ». Et tout initié qui a atteint la réalisation totale peut le dire sans être en train de mentir du tout. La seule erreur des chrétiens, c'est de ne pas se rendre compte que Jésus n'est pas le seul à avoir vécu ça. Mais par contre, seul celui qui vit ça peut amener les autres vers le Père, le Père conscience, quoi. Donc c'est ça que ça veut dire, nul ne peut venir au Père que par moi. C'est pas le petit moi, évidemment, dont il parle du moi âme. C'est-à-dire qu'on ne peut ouvrir la dimension du soi que si on ouvre l'âme, si on ouvre le cœur, et si on passe par le gourou cœur, qui peut se manifester évidemment par l'autre aussi, et souvent par un maître spirituel qu'on adore et qui nous aime, ou par le couple quelquefois aussi, ça commence par là d'abord, puis ensuite par et petit à petit comme ça, en passant du couple au maître, on apprend à aimer de plus en plus de manière impersonnelle. Donc l'initié, c'est lui qui met plus sa conscience donc dans le corps physique, mais ni non plus dans ses désirs, mais son mental. C'est ça les trois. Donc pour atteindre l'âme, quoi. Donc il faut s'affranchir de la forme pour atteindre ce qu'on appelle l'âme. Si on est encore trop fasciné par tout ce que nous dit la forme ou ce que nous dit le mental, si on veut trop avoir raison, si on veut trop ou si on est trop coincé dans des croyances qui nous diminuent toujours, hein, les croyances. Eh bien, on n'entend pas ce que nous dit l'âme, alors qu'elle nous parle sans arrêt, mais on n'arrive pas à faire assez silence avec tout le bruit que font les pensées. C'est pour ça que la méditation est nécessaire, pour calmer les pensées. Alors, on doit mettre l'accent sur les proportions et sur notre place dans l'évolution. Ça, c'est important, parce que souvent, on a soit un complexe d'infériorité, on se croit nul, soit on exagère sa propre importance, c'est typiquement saturnien aussi. Et soit on est infatué, on est orgueilleux, soit on a peur de tout parce qu'on est tout petit, un pauvre petit oiseau sans défense et victime de tout le monde. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas de sens des proportions, il n'y a pas un sens de l'équilibre. Et du coup, on ne peut pas trouver sa place. Trouver sa place juste, c'est ce que disait Don Juan à Castaneda dans l'enseignement des sorciers Yaki.
Et il disait que c'était très important. Alors, Kasenda croyait que c'était plus une place physique, alors qu'en fait, il lui demandait de trouver sa place en lui-même de manière à trouver sa place physique. Si on trouve sa place en soi-même, on trouve la place physique aussi. Cette place physique peut être un endroit où s'asseoir, comme l'exemple que donne Kasenda, mais c'est n'importe quoi. Ça peut être aussi trouver sa place en tant que rôle, quel est le métier qu'on doit avoir de préférence. On peut passer des fois des années à faire un métier qui ne nous convient pas, jusqu'à se rendre compte qu'on est malheureux, qu'on a fait ça pour plaire à papa, et en fait, on est à côté. Bon, donc ni nullité, ni génie méconnu, ni voilà, quelle bande de cons, ils ne se rendent pas compte, c'est, je suis génial. Voilà, le moi est toujours, avant tout, il est illusion et croyance. Il est petite ébullition du mental et pas grand chose de plus. Donc c'est pas la peine de s'identifier à des jugements abaissants ou au contraire une espèce d'orgueil, de comparaison. Alors, la comparaison peut être dans les sens, soit dans le sens d'avantageux pour soi-même, soit dans le sens débilitant pour soi-même. Alors, il y a trois initiations que veut faire Jésus aussi. Il prend trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il les conduit sur une autre montagne, et on sait qu'il est transfiguré à ce moment-là. Ça, c'est intéressant, parce que ça rappelle aussi les trois têtes du... Enfin, c'est l'inverse que les trois têtes du... On pourrait dire que le Christ, là, répond en fait à Hercule avec les trois têtes de Cerbère. Alors il dit, Pierre a dit, construisons trois cabanes. En Inde, on appelle ça l'initiation de l'homme qui construit sa cabane. En fait, la cabane, c'est l'ermitage, c'est-à-dire un petit temple, une petite cabane très simple où tu prends juste quelques bols de riz par jour pour manger. Tu te consacres uniquement à méditer pour creuser, pour ouvrir tous les dossiers, pour tout vider l'inconscient et purifier. Et la plupart des gens qui ont réussi à s'éveiller, beaucoup ont vécu ces sadhanas intenses dans lesquels, en fait, on se consacre totalement à Dieu. C'est la transfiguration du Christ devant Pierre, Jacques et Jean qui fait que ces trois disciples choisi par Jésus, enfin par, c'est plus Jésus là, c'est le Christ, parce que c'est au-delà du corps, ça veut dire qu'eux étaient peut-être suffisamment soit représentatifs, soit avancés aussi dans leur propre démarche pour pouvoir recevoir cette transfiguration, cette vision. Et cette initiation de l'homme qui construit sa cabane, la cabane est... Alors cette cabane, c'est pas sur cette pierre je bâtirai mon église, parce que ça a été mal compris. Église, ça veut dire ecclésia, ça veut dire assemblée, ça veut pas dire l'église romaine. Il ne s'agit pas de faire une immense institution avec des hiérarchies. Voilà, ça c'est le côté césarien. Alors, Jésus avait dit, laissez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et laisser à César ce qui est à César, c'est en particulier hiérarchie bureaucratique ou ecclésiastique. Tout ça, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus a demandé. Par contre, dès que vous vous assemblez pour prier ensemble, et ceci les chrétiens le font quand même, mais le problème, c'est qu'ils mélangent ça avec l'appartenance à une institution. Et c'est pas que les chrétiens, les bouddhistes le font aussi, ou ça. Souvent, on prend la forme que prend une religion comme étant l'essentiel de celle-là qu'il faut apprendre. Non, l'essentiel, il est à apprendre en soi-même. C'est un cadre qui est donné pour permettre de travailler. Alors là, on voit trois cabanes. Bah oui, c'est pas besoin que ce cadre soit extraordinaire avec des voûtes célestes, des vitraux et tout ça, ni des fumées d'encens. Une cabane est suffisante, quoi. Être isolé et rentrer dans la solitude. Voilà. Alors, Pierre, Jacques et Jean. Pierre, c'est Kephas, hein, c'est en grec. C'est le symbole du corps physique. C'est le roc, le fondement, celui qui est un peu comme Thomas aussi, qui était celui qui croit que ce qu'il voit. Là, c'est-à-dire, le chemin spirituel, ça part aussi du réalisme. Hein. Faut être réaliste, faut pas croire qu'on va s'envoler dans les hauteurs. Faut partir du corps. Donc le corps, c'est le temple physique. Donc et ce temple physique, c'est pas l'église romaine, bien sûr. C'est le corps. Chacun a un corps et c'est là le temple de Dieu, le vrai temple. Et donc il y a des yogas correspondants pour ce temple physique. Ben, c'est les disciplines physiques et aussi le sens du service. C'est-à-dire les disciplines physiques, ça va être le hatha yoga. On va apprendre le pranayama, on va apprendre les asanas, tous les mouvements du corps. Mais ça peut être aussi qigong, hein, qigong, tai chi, comme ça. On va retrouver dans tout l'Orient. Ça peut pas être trop jogging, des choses comme ça, ou natation. Parce que, si vous voulez, le problème du sport, c'est qu'il vise la compétition et donc il fait partie du monde du moi. C'est pas une activité physique qui fait monter vers l'âme. Alors que le tai yoga, le qigong, etc. sont des activités qui alignent les nadis, les chakras, et donc qui crée cette verticalité du sapin de Noël là, dont j'ai parlé, de la colonne vertébrale qui nous fait monter à l'intérieur de nous-mêmes, quoi.
Donc, et l'autre qu'on oublie souvent, ben, le temple physique, il doit travailler. Et ouais. Et c'est le sens du service. Et on ne doit pas travailler que pour soi. On doit travailler ou que pour ses enfants, ce qui est un peu la même chose. Hein. C'est nos possessions, quoi. Non, il faut travailler aussi pour rendre service à l'humanité autour de nous. On fait partie d'une fraternité qu'est l'humanité. Et il faut au moins qu'une partie de notre activité physique soit consacrée à, de manière désintéressée, à faire du bien. Alors l'exercice qui permet de faire ça, bah, c'est de s'entraîner tous les jours à faire tout dans la bonne humeur et la joie, en imaginant qu'on fait ça pour rendre service au divin. Et du coup, on n'est plus du tout en train de râler ou quand on travaille, on travaille de plus en plus dans la joie, dans la tranquillité, dans une espèce de bonheur naturel. On devient de plus en plus efficace d'ailleurs, en plus, c'est ce qui ne gâche rien. Et on arrête tout ce qui s'appelle procrastination, ennui, enfin tous ces phénomènes qui sont dus au fait que on ne travaille pas assez. En fait, il faut. Et Pierre nous rappelle que bon bah voilà, pour que le temple physique soit fort et solide, il faut travailler physiquement. Et ça, si vous avez un travail mental, bon bah faites votre travail mental, mais il faut aussi voilà, avoir une activité physique. Vous pouvez compenser par du hatha yoga si vous avez un travail mental. Si vous avez un travail physique, ben il faut le faire de manière avec beaucoup de en respirant profondément, en vous redressant, pas être trop penché sur la terre si vous faites un travail de la terre. Il faut se redresser à l'arche de Lanza del Vasto, là où j'ai un peu vécu aussi. Il y avait un son de gong toutes les heures. Et à ce moment-là, on arrêtait tout le travail, on lâchait tout, quoi que ce soit qu'on faisait. Enfin, on ne laisse pas tomber non plus un pot de fer par terre, hein, c'est pas l'idée, mais c'est d'arrêter les gestes complètement, immédiatement. On pose le pot s'il y en a un pour la main. Et on se tient droit quelques instants, et pendant environ une bonne minute, on reste totalement en silence à observer est-ce qu'on est encore dans ce service désintéressé au divin, ce service désintéressé à la vie? Est-ce qu'on se sent encore comme un être vivant, complètement plein de joie, plein de, ou est-ce qu'on s'est acharné sur le travail pour dire, nom de Dieu, tu vas te déraciner, sale bête? Et on a, dans l'effort, on aurait perdu, en fait, cette qualité d'être actif dans la joie. Alors Jacques, c'est le cœur et ses désirs, hein. Et donc c'est aussi ce qui peut nous tromper, c'est l'énergie qui peut être retournée dans le désir, hein. Donc là, ça représente le chemin à partir du corps, quoi. C'est-à-dire, c'est la purification par la dévotion et par l'amour. Les désirs peuvent pas être enlevés, peuvent pas être contrés, ils peuvent pas être écrabouillés. C'est ce qu'ont essayé de faire c'est l'Église catholique, puis ça donne, on voit ce que ça donne, et ça donne des désirs déviants ou pervers. Pas toujours, hein, mais souvent. Donc, le désir doit au contraire être transformé par la dévotion, par l'amour. Et là, l'Inde encore nous donne la clé, c'est ce qu'on appelle le Bhakti Yoga. C'est-à-dire, les pratiques correspondent à cela s'appellent Bhakti Yoga, c'est-à-dire yoga de la dévotion, où il y a des chants sacrés, où on chante des mantras en les répétant à l'infini, jusqu'à ce que l'âme s'étourdissent de la beauté, de la joie, tout ça. Et dans ce léger étourdissement, en fait, pas un étourdissement, c'est-à-dire qu'on monte en qualité d'amour et cet amour descend en nous. L'impression d'étourdissement vient parce qu'on lâche, en fait, des tas de scories, en fait. Voilà. Et évidemment, ça peut se faire aussi par un alléluia ou par un chant sioux, hein, il n'y a pas de, mais ou par un chant de trans chamanique, ça n'a pas d'importance, mais c'est important de voir, c'est que on doit passer, parce que quand on chante, le cœur s'ouvre, en fait, quel que soit ce que vous chantez, mais plus c'est un chant sacré, plus c'est fort. Puis, si vous chantez le home sur toutes sortes de notes, ou le i, a, ou u, tous les voyelles en chantant, montant et descendant, bon, bah, évidemment, vous passez par toutes les vibrations de tous les boules, le chakra, là, les boules de votre sapin de Noël, et évidemment, ça a une action très profonde. Et là, du coup, les désirs sont purifiés et le cœur s'ouvre. Et Jean, bah, c'est le dernier, Jean, ça signifie le mental, ça signifie le Seigneur à parler. Et donc, c'est le mental et la parole, c'est le verbe, hein, le verbe divin. Et donc c'est la connaissance directe par le silence. C'est-à-dire en fait on peut, c'est le mental est purifié par le silence, en fait. S'il n'y a pas silence, le mental est toujours en train de délirer, quoi. Il n'arrête jamais. Il n'en peut plus de continuer à sauter de branche en branche comme un singe, disent les Tibétains. Voilà, donc ça c'est le Jnana Yoga, c'est-à-dire le yoga de la connaissance. L'Advaita Vedanta disent aussi certains. Voilà, c'est le yoga de la connaissance, c'est-à-dire le yoga où on va essayer de libérer le silence dans la gangue de nos trois corps, la physique, émotionnelle et mentale. On va libérer le silence de ces trois corps et le silence en redescendant sur ces trois corps va les purifier. Voilà.
Faut que je termine. Bon, ça, j'en ai parlé, la biche des émotions. J'ai parlé de la force de nuit qui a son maximum et la force de jour qui augmente. Donc, c'est un signe qui va nous mener vers le collectif, puisque quand la force de. Enfin, qui est au maximum du collectif, je veux dire, la force de nuit, c'est le collectif, et qui en même temps demande à l'individu de renaître à l'intérieur du collectif, c'est-à-dire de ne pas se laisser envahir par le collectif, comme si on était des petits chinois ou des robots, mais de trouver sa propre force intérieure, sa propre expansion en tant que personne, mais au service des autres, du collectif. Toutes les initiations qu'on a dans ce développement, elles sont enregistrées dans notre cerveau, dans notre système énergétique. Donc ça, c'est ça qui crée l'initiation. C'est quand c'est enregistré dans le corps énergétique. Donc on ne peut pas recevoir l'initiation à l'extérieur, même si certains maîtres donnent l'initiation, ils ont raison d'ailleurs, mais c'est pas. Quand elle est donnée, c'est pas au moment où elle est donnée, qu'on vous donne un mantra ou ça, qu'elle a lieu. Elle a lieu parce que vous pratiquez, que tout d'un coup vous ouvrez ce chemin à cette lumière à l'intérieur de vous. Donc l'initiation vient de vous et de la manière dont vous le faites, quoi. En attendant, le Capricorne, c'est un signe de tristesse, c'est la souffrance, c'est la solitude, c'est aussi les caractéristiques de l'initié, c'est de la solitude est intense parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut avancer que tout seul sur le chemin. On peut rencontrer d'autres, mais en réalité, ces rencontres sont très illusoires. Celui qui s'identifie à faire partie du groupe, de ses copains et tout ça, en fait, c'est un peu enfantin ou adolescent plutôt. C'est très important au moment de l'adolescence. Mais en fait, ça s'arrête vite parce que quand on doit évoluer, on s'aperçoit qu'on doit avancer seul. Ça n'empêche pas évidemment d'aimer sa famille, ses amis et tout ça, mais c'est fondamentalement impersonnel, le chemin intérieur. Alors, ceux qui veulent réfugier ça en disant, ah oui, mais moi ça m'intéresse pas, ça. Ouais, ils restent du coup enfantins ou adolescents plus longtemps, mais de toute façon, ça les fera souffrir, parce qu'on est là pour grandir. Donc, le refus de grandir est l'une des caractéristiques de ceux qui sont enfermés dans le cycle du cancer, et si en fait, ils sont enfermés dans la forme matérialiste qu'on croit être dominante dans le monde, alors qu'elle n'est pas du tout dominante. L'esprit est beaucoup plus puissant dans le monde que les formes, même si ce système actuel de social néolibéral nous fait croire l'inverse, dans le but de nous faire consommer, évidemment. Donc, l'impersonnalité que crée cette solitude, c'est pas, ah, je suis tout seul, c'est pas ça, c'est, on devient impersonnel, donc on entre en soi-même, et en entrant en soi-même, on exprime ce qui est juste, et on va exprimer, du coup, plus d'humanité, plus d'amour, qui va être moins personnel, qui va être plus élargi, et ça va s'élargir. Ça paraît que dans la famille ou les amis, ça va aller vers toute l'humanité. Ça, c'est très important. Il s'agit d'aimer tout le monde, en fait. Pas d'aimer que sa copine, ou son fils ou sa fille, ou son papa ou sa maman. Voilà, c'est aimer tout le monde. Ça veut dire que si on veut aimer tout le monde, comme on est tous différents et qu'on n'appartient pas au même sang, hein, ça, qu'on sort de la famille, il va falloir reconnaître les autres. Si vous ne reconnaissez pas les autres avec leurs défauts, leur caractère, leur thème astrologique, alors là, l'astrologie est très très utile. Connaître l'autre, comment il fonctionne réellement en profondeur, quand on comprend que si on avait le même thème, on se comporterait exactement pareil, le même thème et le même corps aussi, parce que le corps joue beaucoup aussi, hein. Si vous êtes homme ou femme, noir ou blanc, riche ou pauvre, voilà, il y a des conditions de départ matérielles qui comptent énormément aussi. Mais le monde actuel nous fait croire qu'il n'y a que ça. Non, c'est faux. On est manifesté par notre thème astrologique qui contient des karmas, et c'est ça qui se manifeste. Et les gens manifestent ça des fois n'importe comment. Donc, si on comprend pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment en se manifestant maladroitement comme ils le font, on arrête de se dire, mais quelle bande de cons, ou voilà, on arrête de dire ça, on se dit, ah d'accord, il essaye simplement, peut-être il a peur, peut-être il essaye simplement de dire ça, ou de vouloir faire ça, il n'y arrive pas, ou la peur de perdre son emploi, du coup il s'est comporté mal parce que il a voulu se raccrocher, voilà. Plus on comprend les autres en profondeur, moins on va juger la personne. On a le droit de juger les actes, hein, quand ils sont négatifs, bah oui, il faut les juger, je veux dire au sens de, enfin les juger, bah faut discerner que c'est négatif, sinon on se fait rouiller dans la farine, quoi. Mais, on juge de moins en moins la personne, on se rend compte que, ben voilà, comme tout le monde, on fait des erreurs, et nous aussi on en fait. Donc, et du coup, on voit que tous les humains, ils sont. C'est sept louches de sept pattes différentes, c'est-à-dire sept planètes, qui sont versées dans des proportions différentes dans chaque être humain. Mais c'est toujours les sept mêmes bonnes pattes humaines qui sont versées, c'est-à-dire les sept planètes. Donc, voilà.
On connaît chacun voit et connaît la vilenie des autres. Pourtant, malgré cette révélation, il n'y a ni retour en arrière, ni dédain des uns envers les autres. On peut reconnaître le mal que fait quelqu'un parce qu'il est agi par l'ignorance. Il sabote sa propre vie en ne voyant pas qu'il ne sait pas. Des fois, en ne voulant pas apprendre, c'est ça qui est le pire. Ça, c'est évidemment. Il y a le pire ignorant que celui qui ne veut pas savoir. Mais même quand on cherche à apprendre, à savoir, on a du mal des fois et on se retrouve isolé dans cette ignorance quand même. Mais malgré qu'on peut voir ça chez quelqu'un qui tâtonne ou qui se plante, eh bien on va, il n'y a pas de dédain ou de jugement à avoir. C'est ça qui doit être atteint en Capricorne, c'est une espèce de détachement qui fait que on met personne sur un piédestal, ni soi-même ni les autres, on n'abaisse personne non plus. Il n'y a pas de durcissement du cœur, quoi. Tout le monde est en train d'évoluer. On est tous dans la même galère, quoi. On va dire ça comme ça. Je ne vais pas vous parler de constellation, je vais vous parler de l'endroit où ça se situe. Là, ce sont la montagne, donc on doit traverser le plexus solaire, celui où il y a les émotions. On l'avait vu, c'était un peu le côté balance scorpion. Et on doit devenir, en se focalisant dans le cœur, on doit devenir conscient du groupe. C'est le Sagittaire, les sensations et désirs qui sont en relation avec le groupe. Tout ça, on l'a vu avec le Sagittaire. Donc ça c'est juste avant le Capricorne. Et donc ça veut dire que tout ça, on doit ça c'est la première initiation, c'est le moment où on comprend que l'âme est là, quoi. Voilà. Et là après, on doit dépasser cette nature animale, on doit devenir créateur spirituel de sa matière mentale. C'est-à-dire on doit voir on a vu que la matière physique était illusoire, on a vu qu'on était quelqu'un qui parle, qui pense. Ça c'est déjà génial. Donc il va se cultiver, qui va philosopher, qui va apprendre à comprendre, qui va orienter sa vie, tout ça, c'est Sagittaire. Et là, il y a une deuxième initiation qui a lieu, la grande, c'est une sorte d'ascension très profonde, où on voit que l'autre matière dont on doit se désillusionner, c'est pas que la matière physique, ou le monde des formes, ou l'avidité mentale, ou du fric, et tout ça, on doit aussi se désidentifier du mental. Et donc, on n'est plus retenu par la forme, donc le côté vierge qu'on avait vu, l'âme est dans un corps, donc. Mais on va travailler de manière à élever la conscience à partir de la tête, de l'ajna, le troisième œil, le trône entre les sourcils, le centre ajna, la glande pituitaire, voilà, le trône entre les sourcils, comme l'appellent les hindous. Et donc, cet ajna, il va contrôler, il va donner une direction plus juste à la gorge, au chakra de la gorge, au chakra du cœur, au chakra du plexus solaire. Toutes les parties du corps vont être mieux contrôlées parce qu'on va pouvoir diriger l'énergie par la respiration, par l'attention, par l'écoute de la respiration, on va pouvoir la diriger dans tous ces centres. Et du coup, cette tranquillité qui est au centre du cerveau modifie aussi, est capable de voir aussi d'où vient la pensée, se retourner à l'origine de la pensée et du coup, tomber dans ce silence qui est derrière la pensée. Tout ça met du temps, évidemment, hein, je le dis à toute vitesse, mais c'est ça l'ascension de la montagne. Donc voilà. Évidemment, quand on l'a fait, c'est un peu plus long. on a des ampoules au pied. La troisième initiation qui viendra après, on en parlera plus tard, mais c'est la suite, c'est quand on arrive dans le Verseau, on devient sauveur du monde consciemment. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que on a tout ce qu'on devait apprendre, on l'a appris et qu'il faut le distribuer aux autres. Il faut émanciper autrui parce qu'on est émancipé soi-même, on s'est libéré, et il faut libérer les autres aussi. Sinon, ça sert à rien. C'est le côté bodhisattva, c'est celui je ne veux pas la libération pour moi-même. Je veux rendre cette liberté de l'éveil, la mettre au service d'autrui pour aider les autres à s'éveiller, à suivre le chemin et à trouver un bonheur permanent dans l'être ou dans l'âme et non pas un bonus, un pseudo promesse de bonheur dans le monde illusoire. Voilà. Donc, pour terminer, comment faire? Il faut se purifier, quoi. C'est toujours la clé. On retrouve la purification vierge, on la retrouve ici. Se purifier de l'irritabilité, de l'égoïsme, tout ce qui caractérise l'être humain quand il est en relation, dans son petit couple, dans sa petite famille. Tant que vous vivez pas, vous n'êtes pas capable de surmonter votre colère, votre agacement par l'autre, votre égoïsme dans un cercle, dans une relation humaine, l'initiation est pas complète, vous n'êtes pas entièrement purifié. Alors cette purification, c'est un peu le but du Capricorne, c'est la solitude qui va nous purifier, quoi. C'est le fait d'entrer vraiment en soi-même, en solitude. Ça ne veut pas dire qu'on ne rencontre plus personne, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas non plus un compagnon ou une compagne, ça veut dire qu'on consacre des temps tous les jours. Au début c'est 10-20 minutes, puis après petit à petit, très naturellement, ça devient facilement une heure.
On peut aller jusqu'à 3 heures, 4 heures, si on a un boulot qui le permet à côté. De toute façon, dès que vous méditez plus de 2 heures, vous gagnez 1 heure. Dès que vous méditez plus d'une heure, pardon, vous gagnez 2 heures de sommeil. Donc tous ceux qui me disent j'ai pas le temps, ça me fait bien marrer parce que vous gagnez 1 heure en fait en méditant. Parce que ouais, 2 heures moins 1 heure, ça fait 1 heure. Vous gagnez 1 heure en réellement. Bon, c'est pas, c'est faut être. Si vous êtes en bonne santé, bon, si vous êtes en mauvaise santé ou s'il y a une maladie qui se préparait, évidemment, vous pouvez tout d'un coup avoir d'énormes fatigues parce que justement vous êtes en train de guérir. Et ça va vous éviter les cancers, mais en attendant, vous allez peut-être vous sentir pas très bien. Ça, c'est normal. C'est parce que ça libère la méditation nous libère nos propres enfers. Hein. Et ça libère aussi l'enfer universel de la société, des guerres, de tout ce qu'on vit actuellement. Donc on voit très bien que l'universel s'apprend par expérience individuelle. C'est-à-dire, c'est en comprenant l'intérieur de moi-même très réellement qu'on réalise que c'est là. Mais quand on réalise l'âme, on s'aperçoit qu'elle est pareille. Elle est à l'intérieur de moi, mais elle est pareille chez tout le monde. Elle est intérieure chez tout le monde. Donc, elle est pas, on ne va pas la reconnaître chez l'autre à l'extérieur, on va la reconnaître à l'intérieur de l'autre aussi, parce qu'on la reconnaît à l'intérieur de soi-même. Donc, ça s'apprend pas par oui-dire, ou par adhésion à un dogme, ou par, est-ce que tu crois que Jésus est né de la Vierge Marie? Il y a rien à croire au début. C'est juste une expérience individuelle et intérieure qui fait que votre propre enfer, vous allez le dégommer petit à petit. Et ensuite, vous allez voir que vous êtes pas séparé d'autrui. N'étant plus séparé d'autrui, le fait de rendre service devient l'acte de service devient complètement naturel presque. Je veux dire, l'initié, le service, il vient toujours en premier. Quoi. L'aide doit être apportée là où c'est nécessaire. Faut pas se mettre à aider les gens qui demandent des fois, parce que ceux qui demandent des fois, c'est ceux qui en ont le moins besoin. Et des fois, il n'a qu'à pas demander, c'est ceux qu'il faut aider ou ceux qui apportent quelque chose d'essentiel et qui ont besoin d'être aidés aussi. Voilà, ça c'est. Je rappelle que j'ai un projet complètement essentiel pour l'humanité, qui m'a été donné par une force qui n'est pas de ce plan, et que j'attends que des gens suffisamment capables de faire le sacrifice de leur petit écran, c'est-à-dire des ondes, puisque moi je ne peux pas approcher de gens qui ont qui portent des ondes. Et alors peut-être ça trie les gens qui n'ont pas de compassion, mais je ne rencontre pas grand monde du coup, comme si on était des lépreux, alors qu'on est porteur d'un projet qui sauvera des milliers de personnes, mais qui est au-delà de ce qui se passe avec les projets d'éco-village, tout ça. C'est un éco-village beaucoup plus, que j'appelle le mot spirinoté, c'est quelque chose de très très spécial qui a été donné et qui permet de faire un travail. Et ça, voilà, c'est basé sur la conscience de groupe, c'est la conscience de la méditation en même temps, c'est basé sur la dépollution complète, y compris des ondes, je suis désolé. Et tant que je trouve pas des gens qui sont capables de faire le sacrifice de leur petit portable, voilà, ben c'est que les gens sont pas prêts. Hein. J'attendrai le temps qu'il faut, ou je quitterai ce monde physique sans avoir pu créer ce groupe. C'est très dommage. Je précise que je ne veux pas être le chef de ce groupe. Hein. C'est un projet qui est complètement libertaire, spirituel et authentiquement thérapeutique pour tous. Et c'est une formule qui n'a jamais été expérimentée. Elle m'a été donnée et non pas. C'est pas moi qui l'ai inventée. Hein. J'aurais bien été incapable d'inventer une forme ou une structure aussi parfaite. Mais néanmoins, il m'en a été donné la compréhension. Et le but, c'est que ce soit partagé par plusieurs personnes qui s'engagent dedans. Et on pourra prouver que le système de politique libertaire et spirituelle à la fois est le système de l'avenir pour les 2000 ans qui vont venir de l'ère du Verseau. Mais pour le prouver, il faut l'expérimenter. Il faut donc trouver des gens et un lieu aussi qui soit hors onde. C'est un peu le plus dur actuellement en France. Ça peut être aussi au Portugal, hein, s'il faut. Voilà, donc les trois têtes, c'était la sensation, le désir et les bonnes intentions. Quand on a la faim, l'avidité, l'ambition, la faim dans le monde économique, même le manque des fois, comme actuellement beaucoup de gens sont dans le manque, ils serrent la ceinture avec l'inflation. Ben ça c'est la sensation insatisfaite, le manque, quoi. Ça c'est la première tête de l'hydre qui correspond au corps physique, si on veut. Il y a les sensations qui sont celles du désir de bonheur, hein, qui sont naturelles. Dans la Constitution américaine, on dit la Constitution promet d'aider les gens à la poursuite du bonheur. Mais dans la poursuite du bonheur, malheureusement, il y a une grande illusion qui est l'hédonisme, qui est le fait qu'on croit que c'est par des plaisirs, le monde du plaisir, qu'on va trouver ce bonheur, alors que le plaisir est toujours impermanent, alors que le bonheur, c'est un état qui peut devenir permanent si on sait où le trouver, et c'est pas que dans le plaisir. Il ne s'agit pas de nier le plaisir non plus, mais il s'agit de surtout pas en faire le but absolu, sinon bah, c'est foutu, quoi. Et puis aussi la troisième, donc ça c'est, puis sinon il y a
Il y a les violentes sensations qui sont cherchées pour maintenir le mental occupé. Ça, c'est les fameux écrans dont je viens de parler. Bah, c'est la peur par rapport. C'est la peur. C'est le couple peur-ennui, si vous voulez. C'est-à-dire, tous les écrans, c'est des espèces de tétines de verre pour des bébés cancérisés, quoi. C'est-à-dire, pas cancer au sens de la maladie, mais cancer au sens du signe. C'est-à-dire, qui restent coincés dans le monde de la forme, sous forme émotionnelle, et qui têtent des petites plaques de verre dans le métro partout, penchés dessus, comme des moines en prière pour leur propre désir. Et évidemment, ça ne peut que rendre malheureux, c'est ce qui se passe. La plupart des gens sont paumés maintenant, mais un point que j'ai rarement vu, quand je vois maintenant les jeunes, je suis très très inquiet pour l'avenir. C'est comme si tout ce qui fait la puissance de la jeunesse, son désir de vie, tout ça, est complètement étouffé, enfermé dans cette fausse religion que sont ces réseaux soi-disant sociaux, qui sont en fait des espèces d'enfermement dans la bêtise humaine, à un point... comme une spirale qui aspire tout vers le fond, quoi. Voilà, donc, et du coup, les bonnes intentions sont jamais exécutées, quoi. Alors, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions parce que si les bonnes intentions ne sont pas exécutées, ben, ça ne devient pas un acte, un effort, ça ne devient pas un travail, ça ne devient pas un service. Et du coup, ben, on se gargarise de son propre humanisme, de sa propre philosophie philanthropique. J'ai entendu ce mot là récemment, je le ressors. Et en fait, dans ce gargarisant de cette philanthropie, on oublie que ça doit être manifesté par des actes. Et si ce n'est pas manifesté par des actes, ben c'est une histoire qu'on se raconte comme une autre. Donc ça reste une illusion mentale. Donc trois illusions. Celle des sensations d'avidité, quoi, la pulsion de manque, quoi. La pulsion de plaisir, qui est l'inverse du manque, mais qui est tout aussi illusoire. Et puis la pulsion d'ignorance, qui consiste à aller chercher plein d'informations, de s'en bourrer la tête. Et de garder au fond de soi l'intention d'être un homme bon ou une femme gentille et tout, et voilà, un être humain complètement plein de solidarité, et puis en fait de jamais manifester quoi que ce soit qui le prouve, et petit à petit s'endormir là-dedans sans voir qu'on est plus du tout dans la vie, qu'on est hors sol. Voilà, tout ça, certains le progrès spirituel, c'est le psychisme inférieur qui est le matérialisme d'un côté, le psychisme inférieur qui est si destructeur, tout ça, la peur surtout, la peur sous ses formes, la peur de l'échec qui détourne de l'activité, qui empêche de faire l'activité, qui engendre l'inertie, c'est la faute de beaucoup d'aspirants disciples, parce que c'est l'erreur qu'ils font, parce que à force de méditer, on peut se dire, bah oui, je dois devenir quelqu'un de parfait, faut que je devienne quelqu'un de pur, et le mot pur remplace la pureté elle-même. La pureté, c'est l'innocence de l'enfant, c'est pas quelque chose où on va être au-dessus des autres, où on va être plus... c'est pas un piédestal, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut que... Ama le dit d'ailleurs, pour les Occidentaux actuellement qui sont très très égocentriques, qui sont conditionnés à devenir égocentriques et compétitifs, le mieux c'est de rendre service aux autres, d'occuper une partie de son temps, je sais pas, au Resto du Cœur, n'importe quoi, ou un truc... à des chaînes de solidarité ou à des ONG désintéressées, pour s'occuper des problèmes de l'humanité. Et actuellement, c'est urgent, parce que si on s'occupe pas des problèmes de l'humanité, on va tous crever. C'est assez... voilà. Et qu'est-ce qui donne l'exemple? Ben, des gens justement comme Ama, tout ça, qui a créé, à partir de... C'est une fille de pauvre pêcheur du Kerala, qui a créé une espèce d'immense industrie de la charité, pas une industrie au sens qui gagne de l'argent, qui donne de l'argent sans cesse aux pauvres, qui résout les problèmes, simplement en mettant en avant le dévouement de tas de disciples qui viennent pour aider, du monde entier, et ça fait des hôpitaux gratuits, ça fait des trucs comme ça, un système dont l'extrême gauche rêve et n'a jamais, où les anarchistes rêvent et n'ont jamais réussi à le mettre en place, elle a réussi à le mettre en place. Il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Il y a une hiérarchie due au respect pour ceux qui sont, pour Ama ou pour ceux qui enseignent, bien sûr, il y a un respect à avoir. Mais il n'y a pas de notion il n'y a pas de fric qui est fait sur le dos des gens. C'est l'inverse du capitalisme. Alors, les mots-clés, je vous les donne. Le verbe dit que l'ambition règne et que la porte reste grande ouverte. Ça, c'est la porte de l'initiation. Elle est ouverte pour tout le monde. Il y a n'importe qui peut s'initier. Il n'y a pas de... Voilà, c'est le secret de la renaissance. C'est l'impulsion évolutive. On est sur Terre pour évoluer, pas pour bouffer, manger, dormir. Ça, c'est boulot métro dodo. Ça mène à la connerie pure, c'est tout. Et si on arrive, à force d'évoluer justement, à monter sur le cheval de l'évolution, le cheval sagittaire ou sur la licorne du capricorne,
eh ben, l'ambition terrestre, l'ambition spirituelle vont être remplacées par un vrai sens de la réalité. C'est pour ça qu'on dit réalisation spirituelle. On n'utilise pas illumination, il y en a qui le disent, mais souvent les orientaux préfèrent dire réalisation. Réalisation, c'est réalité, c'est rentrer en vérité dans la réalité concrète. Et la parole dit à ce moment-là, je suis perdu dans la lumière suprême et je tourne pourtant le dos à cette lumière. C'est-à-dire, une fois qu'on a réalisé l'immensité de cette lumière spirituelle, on lui tourne le dos pour retourner la redonner dans la vallée. On redescend la vallée pour redonner ce qu'on a découvert aux êtres humains. On verra qu'il y aura après les Verseaux et les Poissons. Je vais vous faire une petite méditation. Alors, pour finir, on peut dire le christianisme n'a pas échoué, il n'a jamais été expérimenté. On voit que le Christ, par exemple, avant d'aller au calvaire, quoi, d'aller sur le chemin du Gethsémani, qui est l'endroit où il va se faire crucifier, son dernier acte, c'est de laver les pieds de ses disciples. Donc, humilité totale. Il se met, lui, le genou à terre pour laver les pieds de ses disciples. Ça veut dire, je vous ai enseigné quelque chose, puisque je vais partir, je suis dans le total respect de ce que vous allez faire. Comment vous allez avancer les pieds, c'est ce qui nous sert à avancer. Ça veut dire avancer et agissez avec la pureté du cœur et avec l'esprit juste. C'est tout ce que je vous ai demandé, et voilà. Et non pas, bâtissez pas des grands... Enfin, c'est pas interdit de bâtir des cathédrales, mais enfin, ce que je veux dire, c'est pas la peine de bâtir des institutions et des hiérarchies très artificielles, quelquefois, qui en viennent quelquefois à ne pas être capables de reconnaître des grands saints. Je pense toujours au Père Antoine, quand je pense à ça, qui est un envoyé du Christ pour le XXe siècle et qui a été non reconnu par l'Église. C'est vraiment... qui était presque communié, je crois, d'ailleurs. C'est dire à quel point l'Église moderne se fout le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, très souvent. Même si le pape François est en train d'essayer de réformer ça. Et ma foi, il a bien du mal, parce que ça va... Il y va pas à pas, mais il risque de créer un schisme tellement il y a une... On a fait croire aux chrétiens que le christianisme n'était pas le message de Jésus, mais que c'était le message de l'Église, et qui est très différent, si on regarde bien, qui est très différent du message de Jésus. Voilà. Donc que chaque homme se souvienne que le destin de l'humanité est incomparable et qu'il dépend en grande partie de sa volonté de collaborer à la tâche transcendante. Qu'il se souvienne de la loi qui est et a toujours été de lutter, et la lutte transposée du plan matériel au plan spirituel n'a rien perdu de sa violence. Sauf qu'elle n'est pas sanglante, évidemment, qui n'oublie pas que sa dignité, sa noblesse en tant qu'être humain doivent émerger de ses efforts pour se libérer de sa servitude et obéir à ses aspirations les plus profondes. Passer la servitude au service, au sens du service, qui n'oublie jamais que l'étincelle divine est en lui seul, et qu'il est libre de ne pas s'en soucier, pourquoi pas, de la tuer, ou au contraire de se rapprocher d'elle, de cette impulsion, de cette étincelle divine, de se rapprocher du divin, en montrant son empressement à travailler avec le divin, pour le divin, et en le divin. Dans le livre. Voilà, je tire ces enseignements des travaux d'Hercule d'Alice Bailey. C'est le seul bouquin que je recommande d'Alice Bailey. Les autres sont très illusoires au niveau des enseignements soi-disant ésotériques que ça permet. Il y a beaucoup d'erreurs sur les rayons en particulier, donc ça a été modifié. Enfin bon, justement, dans le message qui m'a été donné, ça a été modifié de manière beaucoup plus claire. Mais bon, à l'époque, c'est normal, ils n'avaient pas toutes les informations qu'on a maintenant. C'est normal. Je vais vous faire une petite initiation méditative pour terminer. On m'a dit que ça avait plu, une petite méditation guidée. Alors, pardon, je suis pas à la bonne page. Alors, on va essayer de résumer tout ça par une méditation en 6 phases. C'est une méditation pour l'économité et la paix. Elle est tirée de Bouddha mode d'emploi de Jack Kornfield. Elle est très bien. Donc on va essayer de cultiver les qualités de paix et d'équanimité dont on a tellement besoin actuellement. Donc asseyez-vous dans une posture confortable. Vous pouvez faire un petit clic maintenant pour trouver votre coussin et tout ça, et allumer une bougie si vous voulez. Et un petit encens si vous voulez. Donc asseyez-vous dans une posture confortable. Sentez qu'elle est confortable. Tranquille, bien verticale, avec les yeux fermés. Et commencez tout de suite à prêter doucement attention à votre respiration et seulement à votre respiration. Jusqu'à ce que votre corps et votre esprit soient vraiment calmes. Vous entrez dans votre respiration. Vous la laissez être et vous la prolongez à l'inspire comme à l'expire pour la rendre bien pleine, bien confortable elle-même. Vous vous asseyez dans votre respiration.
vous entrez en communion avec les sensations que vous procure la respiration. Impression de fraîcheur, physiquement, à l'inspire, impression de chaleur, d'abandon, tranquillité à l'expire. Et on va poser l'intention de, en y réfléchissant tout simplement, l'intention c'est mentale, au bienfait d'un esprit équilibré et équanime. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit équilibré et équanime? C'est mon intention de devenir plus équilibré et plus équanime, plus détaché de toutes les agitations. Sentez tout de suite quel don, quel merveilleux don ça serait, et ça peut être tout de suite, d'offrir au monde en entier, ou le monde qui vous entoure, proche, mais aussi au monde plus lointain, au monde qui souffre, le don d'un cœur apaisé, d'un cœur vibrant apaisé. Qu'est-ce que c'est que d'offrir ça? Sentez le désir possible de cet équilibre, de cette aisance du cœur apaisé, ce sens intérieur que vous avez en vous, d'un cœur libre, apaisé, aimant. Et soupirez profondément avec ça. Admettez que vous l'avez au fond de vous-même, même si vous ne le sentez pas toujours bien, on va commencer. Vous venez simplement de poser l'intention de mieux le connaître, de vous faire ami avec lui. En vous aidant de chaque respiration, vous allez commencer doucement à répéter des phrases que vous allez répéter sur la respiration. Je vous les fais, vous les faites ensemble. En inspirant, je calme mon corps. En expirant, je calme mon esprit. En inspirant, puisse-je être équilibré et centré. En expirant, puisse-je être en paix et posé. J'inspire, je calme mon corps. J'expire, je calme mon esprit, mon mental. Puisse-je être équilibré, centré pendant mon inspire. Vertical. Puis-je être en paix, posé, reposé pendant mon expire. Inspirant, je calme mon corps. Expirant, je calme mon esprit. Puis-je être équilibré et centré. Puis-je être en paix et posé. Vous pouvez faire une pause si vous voulez pour continuer avec ces phrases jusqu'à ce que vous sentiez vraiment votre corps et votre esprit apaisé, vous sentiez plus de calme. Ne soyez pas non plus trop exigeant. Ah, j'ai pas un silence parfait. Non. Plus, que ce soit mieux, que vous sentiez votre corps et votre esprit apaisé, calmé. Que ce soit mieux qu'au début. Et que ce mieux, vous le goûtez, vous en profitez. Passez à la deuxième partie. Si vous en êtes là, vous allez élargir le sentiment de calme jusqu'à une équanimité spacieuse, un équilibre spacieux. Entrez dans l'espace autour de vous. Sentez que vous rayonnez ce calme que vous avez généré. Vous le rayonnez autour de vous. Ça dépasse la limite de votre corps. Et vous reconnaissez que toutes les choses créées apparaissent et disparaissent dans cet espace. Dans le regard calme que vous êtes maintenant, ici. Regardez les joies, les peines, les idées, les événements, heureux ou malheureux, dont vous vous rappelez. Les personnes que vous connaissez. Toutes sortes de mémoires, les constructions, mentales ou non d'ailleurs. Les animaux, les nations, les infos de la télé ou de l'internet. Les civilisations tout entières, la nature. Prenez conscience de toutes ces choses à la fois et établissez-vous au sein de tout cela calmement, dans l'équanimité. Vous pouvez regarder calmement tout cela, dans l'espace équanime. Là, on va répéter la phrase pour s'établir. Puis-je apprendre à voir avec équanimité et équilibre l'apparition et la disparition de toutes choses. Puisse-je être ouvert, équilibré et serein. Juste ici maintenant, seulement. Puisse-je apprendre à voir avec équanimité et équilibre l'apparition
et la disparition de toute chose. Puis-je être ouvert, équilibré et serein, juste ici et seulement maintenant. Puis-je apprendre à voir avec équanimité et équilibre l'apparition et la disparition de toute chose. Puis-je être ouvert, équilibré et serein, ici, maintenant. Établissez-vous dans cette conscience, dans cette attitude, dans cette intention nouvelle. Vous pouvez faire une pause pour l'approfondir si vous voulez. Troisième phase, si vous voulez continuer. Quand vous avez établi un sentiment d'équanimité, de paix, que vous ressentez maintenant, que vous profitez, que vous goûtez, commencez maintenant à faire défiler devant vous tous les êtres que vous aimez, les êtres que vous préférez, qui vous tiennent à cœur. Et vous allez réciter attentivement les mêmes phrases simples. Puisses-tu apprendre à voir avec équanimité et équilibre l'apparition et la disparition de toute chose. Puisses-tu être ouvert, équilibré et serein, ici et maintenant. Ici au sens là où tu es et maintenant. Puisses-tu apprendre à voir toi aussi avec équanimité et équilibre l'apparition et la disparition de toute chose. Tu es ouvert, équilibré et serein. On recommence une dernière fois. Puisses-tu apprendre à voir avec équanimité et équilibre l'apparition et la disparition de toute chose. Puisses-tu être ouvert, équilibré et serein. En disant cela, vous enveloppez de paix l'image de chaque être aimé. Continuez du mieux que vous pouvez, quelquefois ça bouge quand on introduit des personnes, en respirant toujours doucement, en respirant toujours profondément, tranquillement, et en souhaitant patiemment la paix, et en répétant ces phrases sans tenir compte de ce qui surgit, parce que le fait qu'on introduise des êtres avec qui on est en relation peut faire du clapotis à la surface. Vous continuez patiemment à souhaiter la paix. Et de ce fait, les qualités d'équanimité de paix, elles grandissent. Vous pouvez progressivement élargir petit à petit votre invitation à d'autres, commençant par vos bienfaiteurs, tous ceux qui vous aident, vos thérapeutes, vos maîtres, ceux qui ont pris soin de vous en général, vos parents aussi, pour ceux dont c'est le cas. Représentez-vous chaque personne qui a tenté de vous aider, qui a essayé de vous aider, sachant que c'est toujours vous qui vous aidez vous-même, hein, au final, mais ils n'ont pas été inutiles. Et vous, dans la gratitude, vous les faites diffuser tour à tour en image intérieure, dans votre cinéma intérieur devant vous, et vous récitez intérieurement les mêmes phrases, tout en faisant offrant une bénédiction. Vous offrez une bénédiction comme un remerciement, une gratitude. Puis vous étendez encore petit à petit à tout ce cercle de méditation, vous étendez en incluant de façon systématique les amis, les voisins, les personnes neutres en général, celles qui n'avaient pas de conflit pour l'instant, les animaux, tous les êtres vivants, toute la terre, les végétaux, tout. Puissiez-vous apprendre à voir avec équanimité, équilibre, l'apparition et la disparition de toute chose. Puissiez-vous être ouvert, équilibré et serein. À la fin, si vous sentez bien, vous pouvez inclure aussi, c'est là où le travail est plus difficile, mais c'est intéressant, les gens qui vous posent problème. Ceux que vous considérez peut-être dans votre jugement que vous n'avez pas pu éviter, hein, ça arrive, comme des ennemis. Et vous allez leur souhaiter de trouver aussi la paix et l'équanimité. Pareil. Puissiez-vous apprendre à voir avec équanimité, équilibre l'apparition et la disparition de toute chose.
Puissiez-vous être ouvert, équilibré et serein. Quand on pense à une personne, la tradition dit qu'on doit reconnaître que tous les êtres sont les héritiers de leur propre karma. Tous les êtres reçoivent les fruits de leurs actions, les effets de ce qu'ils ont semé. En action, ou en pensée, ou en croyance. Leur vie apparaît et disparaît en fonction des actions qu'ils ont accomplies également. On est ou on meurt en fonction de ses actions, y compris très anciennes. Donc nous pouvons prendre grand soin des autres, y compris nos ennemis, mais au bout du compte, nous ne pouvons ni agir à leur place, ni lâcher prise à leur place, ni aimer à leur place. Très important. S'ils ne veulent pas, on ne peut pas tirer sur les pétales d'une fleur pour la faire s'ouvrir, c'est pas possible. C'est qu'ils ne s'en sont pas là, c'est qu'ils sont pas assez mûrs. On peut essayer des idées, façon possible, mais ne pas forcer. Et pour aider à libérer votre cœur, si vous, dans votre cœur, vous avez essayé, vous avez échoué, parce que l'autre n'a pas voulu s'ouvrir, ou est resté totalement hermétique pour des raisons souvent de souffrance d'ailleurs, vous pouvez réciter, ton bonheur et ta souffrance dépendent de tes actes, de ton intention d'évoluer, et non pas des souhaits que je fais pour toi. Ton bonheur et ta souffrance dépendent de tes actes, de ton intention d'évoluer, et non pas des souhaits que j'ai faits pour toi. Envoyez ça vers ces personnes une dernière fois, ou celles avec qui vous avez du mal à faire passer votre désir d'évolution. Ton bonheur et ta souffrance dépendent de tes actes, de ton intention d'évoluer, et non pas des souhaits que je fais pour toi. Dans ce cas-là, vous faites comme un effet miroir pour la personne en lui disant « Regarde-toi, ne dépends plus de moi » ou au contraire, « Ne dépends plus de ton refus de moi » l'un ou l'autre. Mais centre-toi sur ton intention d'évoluer. Et tu verras mieux que tu n'as pas besoin de rentrer en lutte ou en contradiction avec ce que je te propose ou ce que je te demande de partager. Et là, on ne force pas, on laisse. Chacun est libre d'aller où il veut, de rencontrer tel ou tel enseignement, de quitter un enseignement pour aller voir un autre. C'est pas un problème du tout. Et maintenant, réfléchissant avec votre sagesse telle qu'elle est, maintenant, aux êtres et à tous leurs actes, vous pouvez maintenant vous présenter chacun d'eux et revenir à ces phrases simples qu'on a déjà prononcées. Puissiez-vous apprendre à voir avec équanimité et équilibre l'apparition et la disparition de toute chose. Puissiez-vous être ouvert, équilibré et serein. Vous répétez comme un mantra autant de fois que vous le voulez pour terminer cette pratique. Vous pouvez la faire aussi longtemps et souvent que vous le souhaitez, cette pratique, en respirant profondément toujours et en laissant votre cœur reposer dans une grande paix naturelle qui est au fond de vous-même et qui ne dépend pas en fait des événements difficiles qui peuvent émailler votre vie concrète. Voilà, quand vous terminerez cette méditation, n'oublierez pas de remercier avec gratitude votre propre âme qui vous a fait expérimenter cela, quel que soit le résultat que vous jugez de la méditation. En fait, le jugement étant fait par le mental, il n'a aucune capacité le mental à juger une méditation, donc laissez tomber tout jugement. Par contre, n'oubliez jamais la gratitude, vous remerciez, vous posez les mains, le namasté devant le cœur, et vous envoyez avec votre cœur une grande gratitude à l'univers d'avoir mis une âme au centre de ce corps, au centre de cet émotionnel, au centre de ce mental, et vous remerciez des indices que vous a donné l'âme pour vous montrer des petits cailloux blancs le chemin vers elle. Les petits cailloux blancs étant les actes de pureté. Voilà, le signe des Capricornes est terminé. J'espère que ça vous a plu, cette méditation. C'est un peu long encore, j'en suis désolé, mais... À vous de jouer maintenant pendant ce. Je rappelle ce signe qui est l'un des plus difficiles. Mais si on oublie le besoin maladif d'avoir raison, de vouloir dominer ou contrôler, si on apprend à lâcher prise, on va découvrir que c'est l'un des signes les plus intéressants, c'est celui de la vérité, du chemin de la vérité. Voilà. Bon signe du Capricorne et bonne nouvelle année, puisque l'année est déjà commencée, puisqu'on est rentré dans le Capricorne. À bientôt pour la nouvelle lune suivante, qui aura lieu donc forcément en janvier 2024. Pour vous aider, je vais vous en donner
l'heure que je n'ai pas notée, la voilà. Elle aura lieu le 11 janvier en Capricorne à 12h59, presque 13h, donc en France, carrément au zénith du soleil. Donc ça sera sûrement une nouvelle lune très importante pour la France. Voilà, bonne pratique à tous, quotidienne, même au milieu des fêtes, et surtout, rappelez-vous que c'est la fête de toutes ces fêtes sont sacrées, c'est le moment où la lumière spirituel monte le plus, et ne tombez pas dans l'adoration stupide du, c'est pas du vaudor, là, c'est la dinde au marron, et de tous ces encrassements physiques que donnent les graisses animales, que donnent les sucres et tout ça. On peut très bien passer un Noël joyeux, cordial, et profiter de l'amour de soit de sa famille, soit de ses voisins, soit de ses amis, sans tomber dans cette espèce de tradition un peu stupide française, cette espèce d'adoration sectaire de la Boostify, et n'hésitez pas à entrer en résistance, devenir hérétique par rapport à cette religion qui ne dit pas son nom, parce que c'en est une vraiment, et qui est une religion matérialiste qui empêche complètement le corps à cette époque de l'année de justement rentrer dans une ascèse, dans une purification, et au contraire de laisser plus passer la lumière, parce que sinon, après, c'est aussi au coccinum en homéopathie, qui veut dire foie gras, en fait, c'est du foie gras de canard. Et bizarrement, c'est ce qui guérit des virus et de toutes les grippes et tout ça. Et pourquoi? Parce que, évidemment, les grippes et les virus ne peuvent s'installer que sur des terrains encrassés par toutes ces agapes, qu'on peut parfaitement éviter. Voilà. Et donc, bonne fête, joyeuse, cordiale, mais sans tous ces excès qu'on peut qualifier de stupides, et surtout c'est des rivières de sang qui sont versées de souffrance au moment où justement il faudrait se rappeler du principe christique, qui est un principe sans rentrer dans l'appartenance à la religion catholique ou protestante, mais simplement rappeler que le principe christique, il est en nous, c'est nous-mêmes, c'est ça qui renaît à ce moment-là. Donc ayez du respect par vous-même et redonnez la vraie place à votre âme, et du coup abandonner un peu la suprématie tyrannique de votre estomac. Voilà, c'était mon petit conseil. Alors il y en a qui vont dire que je suis rabat-joie, mais je pense pas que ça rabat la joie, au contraire, ça la rend plus profonde, plus vraie. Faut pas confondre le plaisir avec la joie, ça a rien à voir. L'un ne mène pas à l'autre. Par contre, la joie n'empêche pas le plaisir, c'est ça qui est formidable. Bonne pratique à tous, et à la fois prochaine.